bienvenue à tous, et vous êtes très nombreux. Donc, c'est un grand plaisir de voir que la thématique semble vous avoir interpellé. Alors, il y a déjà eu une conférence, comme l'a dit Irina, qui était consacrée à l'extraterritorialité du droit américain, que l'on résume sous l'acronyme JCPOA. Irina nous a parlé effectivement des entreprises françaises qui en ont écopé. Le JCPOA, ce n'est qu'un volet dans l'arsenal répressif ou impérial américain. Un arsenal qui aujourd'hui se déchaîne contre la Chine. Probablement pas un hasard, puisque c'est en fait la principale thématique sur laquelle Trump fait un peu l'unanimité au-delà de son propre camp républicain. Quand il tape sur la Chine, généralement, ça lui vaut quelques points dans les sondages. Et il s'est passé quand même beaucoup de choses hein, depuis le début de la crise du Covid, rebaptisé évidemment Chinese virus, hein, parce que naturellement les virus ne peuvent venir que de Chine. On s'en rappelle bien d'ailleurs avec la grippe espagnole, venue d'un camp d'entraînement américain en 1916 ou 1917, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc les Chinois sont vraiment responsables des virus et ils vont devoir payer pour cette forfaiture. Alors parmi les sanctions, on a eu donc l'année dernière l'interdiction de commercer ou de livrer des pièces à 28 entreprises chinoises. Bon, la plus connue évidemment c'est Huawei qui fait l'objet d'un boycott. Et depuis ce week-end, 11 autres entreprises chinoises se trouvent blacklistées par les États-Unis. Là, cette fois-ci, le motif, c'est leur implication dans l'oppression des populations ouïghours dans le Xinjiang. Alors, 9 d'entre elles sont accusées, en fait, de se servir des prisonniers politiques ou religieux ouïghours, ils sont accusés de s'en servir un petit peu comme du STO, hein, ce sont des esclaves. Et puis il y a deux autres firmes, l'une s'appelle le Xinjiang Silk Road et Beijing Liuhe, qui elles sont accusées carrément d'avoir procédé à des analyses génétiques sur les Ouïghours. Voilà, donc les États-Unis dégainent l'argument humanitaire, liberté de conscience, etc., pour s'en prendre aux Chinois. Sauf que la répression dans le Xinjiang, elle a commencé plutôt aux alentours des années 2015-2016. Et en 2018, moi j'étais dans cette région, il y avait déjà un arsenal répressif absolument impressionnant. Et les camps existaient déjà. Le seul moyen de les voir, c'est évidemment d'avion. On ne peut pas en approcher. Mais il est certain que dans beaucoup de familles, il manquait un petit peu de monde pour des motifs de non-conformité de la pratique religieuse, donc de l'islam. Ce sont des Turkmènes, hein, les Ouïghours, hein, ce sont pas des, ils n'ont pas le type moyen-oriental. Donc la répression est très très violente. Je ne sais pas si Pékin en veut autant aux Ouïghours d'être musulmans plutôt que d'avoir bénéficié du privilège que leur avait accordé Mao pour leur fidélité, leur loyauté lors de la longue marche, leur avait accordé le monopole de l'exploitation du pétrole et du gaz hein, qui existent en grande quantité.
Hier, les Chinois étaient très heureux d'annoncer l'inauguration d'une nouvelle ligne de 1200 km reliant Golmud à Korla. Et d'après la petite plaquette, la petite vidéo, il était indiqué que cette ligne favoriserait les échanges culturels. Alors, ce qui est très drôle, puisqu'il existe déjà en fait des lignes qui relient Pékin, Xi'an, Urumqi, Dunhuang, etc., et jusqu'aux villes du Grand Ouest de la Chine. Ce sont des lignes qui transportent des passagers. Là, il s'agit d'une ligne à une voie unique. C'est assez, assez étonnant pour des échanges culturels. Moi, je pense plutôt que cette ligne qui aboutit à Korla, comme par hasard, Korla, c'est pas très très loin des champs pétrolifères. Je me demande si ce serait pas plutôt une ligne pour transporter du pétrole dont les Ouïghours sont spoliés désormais, pour transporter ce pétrole et le gaz vers l'est du pays. Voilà. Donc ça, c'est pour planter un petit peu le décor. Donc là, les États-Unis viennent de dégainer l'argument humanitaire pour décréter un nouveau train de sanctions contre la Chine. Je dirais que ça nous arrange un petit peu parce que, épisodiquement, Trump dit qu'il va aussi s'en prendre aux Européens, aux Allemands avec leurs grosses berlines, Allemands qui sont d'ailleurs, je me rappelle l'expression de Donald Trump, qui sont d'ailleurs pires que les Chinois en termes d'excédents commerciaux. Donc, je pense que politiquement, c'est pas très payant de s'en prendre aux Européens, donc c'est pour ça qu'il revient à son meilleur ennemi qui est la Chine. Voilà. Alors, on abordera peut-être aussi quelques thématiques autour du pétrole, parce que la Chine s'était engagée à acheter beaucoup de gaz de schiste auprès des Américains, vous savez, pour rééquilibrer le commerce extérieur. Il semblerait que ça coince un peu et que les Chinois n'aient pas tant besoin que cela actuellement du pétrole liquéfié, enfin du gaz liquéfié américain, et que c'est beaucoup plus pertinent en fait de faire venir le pétrole depuis le Xinjiang jusque vers les régions industrielles. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, je vais céder la parole à Pierre, qui va revenir un petit peu sur cette manie américaine de se fabriquer des ennemis qui lui sont bien utiles économiquement. Voilà. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie, ou un peu plus, dans les affaires stratégiques. Les affaires stratégiques, c'est-à-dire l'organisation étatique, et par étatique d'ailleurs, chargé de déterminer les menaces, les ennemis, les risques, etc., etc. Donc j'ai fabriqué, comme tout le monde, de l'ennemi. Et puis en fait, quand j'ai quitté, je me suis repenché sur ces mécanismes, celui de le mécanisme américain étant le plus original, en tout cas le plus puissant, puisque c'est celui qui effectivement met une espèce de calendrier, une espèce d'ordonnancement du monde. Alors dans ce genre de travail, quand vous voulez vous laver un peu la tête, vous faites quelques comparaisons. Pour vous dire, bon, est-ce que l'argument qu'on m'avance est un argument qui est acceptable. Donc je me suis amusé à lister un certain nombre de choses qui sont des critiques adressées à la Russie, à les mettre en comparaison avec d'autres aspects de la diplomatie américaine. Bon, par exemple, l'annexion illégale de la Crimée. Ça, effectivement, c'est le gros argument de reproche fait à la Russie. Bon, c'est ce qu'on a fait, nous, à Mayotte, hein, quand il y a eu l'indépendance des Comores. On a dit, oui, mais Mayotte a voté pour rester français, donc Mayotte va sortir des Comores. Donc, on a fait, comme le Poutine, un vote. Bon. Donc, vous remarquerez que, par contre, pour l'annexion des territoires palestiniens, il n'y a pas de vote, mais que les Américains ne veulent pas condamner. Bon. Donc, en matière d'annexion illégale, si vous voulez, vous avez un système à plusieurs barèmes. Bon, sur les matières des droits de l'homme, si vous voulez, qui est une thématique régulièrement utilisée contre la Russie, je voyais une conférence de presse de Mike Pompeo, parce que deux Américains ont été arrêtés en Russie. Il y a encore 40 types à Guantanamo. 40 types qui, depuis 2002, n'ont jamais été jugés. Ils ont inventé un terme juridique pour ne pas avoir les condamnés, c'est des combattants illégaux. Parce qu'il y a des combattants légaux, il paraît. Les combattants légaux étant les militaires en uniforme, quoi. Les combattants illégaux étant ceux qu'on n'arrive pas à juger. Et donc il y a 40 types qui maintenant, depuis plus de 20 ans, sont dans le camp de Guantanamo.
Alors l'avantage de Guantanamo, c'est comme c'est justement extéritorial, il n'y a pas besoin de les faire passer devant la justice américaine puisqu'ils ne sont pas sur le territoire américain. Sinon, ils seraient obligés d'être jugés. Voilà. Pareil sur la question des droits de l'homme, par exemple. Moi, j'ai été très frappé par la comparaison entre Skripal et Khashoggi. Skripal, vous vous souvenez, c'est l'ancien agent du FSB qui a été probablement assassiné par le FSB avec une espèce d'alchimie qui vous fait tout perdre, les cheveux, les poils, etc. Et puis vous en mourrez par combustion interne, si vous voulez. Et donc là, il y a eu des sanctions contre des avoirs russes, etc. Khashoggi, il a été découpé en morceaux. Ça a été un écarissage, si vous voulez, en règle. Aucune sanction. Même pas d'accusation contre Mohamed Ben Salman. Pourtant, Agnès Callamard, qui est une Française qui travaille à l'ONU, a conclu explicitement à la responsabilité de Mohamed Ben Salman. Sur la question des menaces, si vous voulez, bon, Trump a l'avantage, si vous voulez, d'être assez transparent. C'est-à-dire qu'il est tellement stupide qu'il fait de la menace tout le temps. Donc il a, en arrivant tout de suite, dénoncé l'accord avec l'Iran, le 5+1, qui avait été négocié de manière très assidue et très technique, si vous voulez. Donc il a fait de l'Iran, évidemment, un ennemi. Ensuite, il y a eu la Russie, la Chine, le Venezuela, l'Afghanistan, l'Iran, enfin bref. Donc, si vous voulez, maintenant, il y a l'OMS parmi les nouveaux ennemis. Donc, si vous voulez, la logique politique de Trump, c'est les États-Unis sont toujours sous l'œil d'un ennemi, d'une menace d'Avis. Il y a une phrase de Stanley Hoffman que je trouve très bien. Il dit « L'identité américaine est une virginité perpétuellement renouvelée ». C'est-à-dire que jamais les Américains considèrent qu'ils ont une responsabilité. En tout cas, il y a une mécanique, si vous voulez, de l'auto-blanchiment de la responsabilité américaine. Bon, pour les dépenses de défense, si vous voulez, là, quand on parle de la menace chinoise qui fait le 10e du budget de la défense américaine, ça fait un peu rire. Pour la Russie, c'est à peu près pareil. C'est la proportion de 1 à 10. Mais ça fait rien. Si vous avez une mécanique qui explique que la croissance de la menace chinoise et de le budget de défense chinois est plus important, etc., ça vous construit une menace. Bon, pour ce qui concerne les activités d'espionnage de la Russie, enfin, il faut quand même pas oublier que c'est la NSA qui écoutait la chancelière Merkel sur son portable. Si c'était un autre pays, on aurait quand même gravement protesté. Et puis, pour ce qui concerne les régimes autoritaires, bon, effectivement, le tour de passe-passe qu'a fait Poutine en Russie mérite d'être relevé, parce que c'est quand même un bel exercice constitutionnel. Que ce soit un régime autoritaire, c'est une chose. Mais, je veux dire, si on classifiait les pays en fonction des régimes autoritaires, il y aurait une hiérarchie, si vous voulez, dans laquelle l'Arabie saoudite serait évidemment tout en haut de la chose. Donc, si vous voulez, cette mécanique de fabrication de l'ennemi est une mécanique qui est extrêmement complexe et très, comment dire, très habile. Moi, je me suis amusé à écrire un livre sur Hollywood. Je suis le meilleur spécialiste mondial des mauvais films américains. Parce qu'ayant vécu aux États-Unis, j'ai vu que dans le flot continu de la télévision, vous avez beaucoup plus de mauvaises productions que de bonnes. Les bonnes, c'est pour nous, c'est à l'exportation. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que quand on est un Américain, c'est ça qu'on voit, c'est pas les meilleurs films, etc. Et donc, si vous voulez, je vous en cite juste un seul exemple que j'ai traité dans un bouquin. Le film Argo, qui est un excellent film, c'est-à-dire c'est un film avec une espèce de tension, etc., qui raconte le fait que certains des employés d'ambassade américaine, au moment où les étudiants islamistes ont attaqué l'ambassade américaine à Téhéran, certains des personnels ont réussi à s'évader, ils se sont réfugiés dans l'ambassade du Canada. Et donc, il a fallu monter toute une opération pour que les exfiltrer, pour qu'ils puissent ensuite sortir, etc. Hollywood en a fait un film, Argo, avec Ben Affleck, donc il y a tout ce qu'il faut, vous avez le héros, il est beau, etc., il va aller en Iran, etc. Bon. Et donc, si vous avez vu le film, vous avez été comme moi pris par la mécanique, et effectivement, les choses se terminent bien, il arrive à sortir les personnels de l'ambassade. La protestation n'est pas venue des Iraniens, elle est venue des Canadiens. Ils ont dit, mais tout ce film est un fou. Le type, le réel, agent américain, n'a passé que 24 heures en Iran. C'est nous, c'est notre ambassadeur sur place qui s'est occupé de tout, qui leur a trouvé les moyens de sortir. Mais la reconstitution cinématographique est un formidable argument, parce que qui va aller écouter les protestations des Canadiens? Donc, si vous voulez, sur le sujet, j'en termine une phrase sur le Xinjiang. En traduction, le Xinjiang, c'est le Far West. Tu vois ce que je veux dire? Grand Ouest. Le Grand Ouest. C'est-à-dire, en fait, c'est la ligne frontière que les Américains ont utilisée pour chasser les Indiens. Mmh. Donc, je ne veux pas rappeler des mauvais souvenirs. Mais pour rester sur le cinéma, le Western, 2700 Western. C'est quand même une manière de dire que les sauvages, c'était les rouges, quoi. Voilà. Juste une remarque sur le rôle que jouent les instituts stratégiques. L'essentiel du pétrole du Golfe s'en va vers l'Asie. Le jour où les Chinois nous diront « Mais nous, on a besoin de sécuriser nos voies d'approvisionnement », donc ils envoient des bateaux de guerre dans le Golfe. Tu vois le rôle des instituts stratégiques? Ça, c'est la menace chinoise qui se matérialise.
C'est-à-dire, s'ils nous font le même coup que ce qu'on leur fait, on a dit, bah, attendez, c'est pas normal, vous pouvez vous allez pas comparer avec nous. Mais pourquoi les Chinois sécuriseraient-ils les routes pétrolières, alors que, par exemple, la France le fait pour la Hollande, jusqu'à Rotterdam, les Anglais le font, les Américains le font, on est déjà trois à le faire. Les Chinois n'ont pas besoin de s'en mêler, non? C'est vrai, t'as raison. Non, mais sans... ce qui fait pas rire les Américains, hein, franchement, bon, à part brandir la menace de la militarisation de la mer de Chine, c'est que le PIB chinois en 2017, il était de 12 300 milliards de dollars. Il est passé à 13 000 milliards en 2018 et aux dernières nouvelles, en fin 2019, le PIB chinois était de 14 000 milliards. Le PIB américain, à ce jour, est de 21 000 milliards. Il va baisser cette année, bien sûr, à cause de la forte contraction économique liée au Covid. Autrement dit, l'écart va encore plus se resserrer entre la Chine et les États-Unis. Et comme vous le savez, Xi Jinping a annoncé un plan 2025. Bon, maintenant, on peut penser que M. Xi Jinping sera encore aux affaires, effectivement, en 2025, puisque la constitution chinoise a également évolué comme la constitution russe. Et le but est que la Chine devienne en 2025, non seulement, ils le sont déjà, les numéro 1 pour la production industrielle, mais ce serait également devenu les numéro 1 en termes de l'innovation, des brevets, etc. Et le plan s'appelle Made in China. Je ne peux pas vous le dire en chinois, mais enfin, grosso modo, l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'en 2025, les Chinois n'auront plus besoin des brevets occidentaux, ni pour la recherche médicale, ni pour l'électronique, ni pour l'aérospatiale, ni toutes ces sortes de choses. Donc, ils vont arrêter de nous copier, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'horizon 2025, la Chine sera très très loin devant en termes de production industrielle. Ils sont déjà largement devant les États-Unis. Et ils seront également devant au niveau technologique. Ça, je pense que ça agace, j'imagine, pas seulement Donald Trump, mais beaucoup de stratèges américains. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Parmi la construction d'une menace, il y a toujours le rival économique. Rappelle-toi, dans les années 50, c'était le Japon. Bon, après, il y a eu l'Allemagne, etc. Donc, dans la construction de la contestation du leadership économique américain, l'argumentaire de la montée en puissance d'un pays autre, si tu veux, effectivement, est un argumentaire dans lequel tu as une mobilisation économique en disant « ils nous volent des emplois », etc., etc. Donc, ça ne m'étonne qu'à moitié, si vous voulez. Je pense que simplement les Chinois, ils sont jaunes. Avec les Ouïghours, bien sûr, on peut accuser la Chine de faire travailler des esclaves dans des centres d'internement. Alors, comme Pékin n'est quand même pas avare de cynisme, ces centres de rééducation, qui, à mon avis, se rapprochent davantage des centres de rééducation de Mao, sont appelés centres de formation professionnelle. Voilà, ça, ça ne manque pas de sel quand même, il faut le dire. On a pas mal parlé de la Chine. Parmi les ennemis potentiels que Trump pourrait essayer d'agiter avant les élections du 3 novembre, je vois que ça chauffe pas mal avec l'Iran quand même. Alors, peut-être pas directement entre Washington et Téhéran, mais actuellement, on va dire que Jérusalem envoie du lourd, aussi bien en termes de piratage informatique que de destruction d'objectifs sur des cibles iraniennes en Syrie. Si tu veux, le scénario iranien est un scénario intéressant parce que faire une guerre avec l'Iran, ceux qui sont les plus opposés à un conflit de haute intensité avec l'Iran, c'est les pays périphériques. C'est-à-dire c'est les Arabies Saoudites qui souffriraient le plus s'il y avait véritablement un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Donc paradoxalement, on est dans un système à front renversé. Trump a besoin d'un bon ennemi et l'Iran correspond, remplit toutes les cases, si tu veux, dans le processus électoral américain. Mais le pays qui freine, évidemment, contre une espèce de recours à l'action armée, c'est probablement l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, parce qu'ils savent qu'ils seraient les premiers à trinquer. Ils l'ont vu d'ailleurs quand les Iraniens ont fait tirer depuis le Yémen sur les sites pétroliers en Arabie Saoudite. Ils ont montré que l'Arabie Saoudite ni aucun des pays du Golfe ne passerait à travers un conflit de haute intensité. Donc
On est dans un système un peu à front renversé. Trump a besoin d'un conflit avec l'Iran pour être élu, mais il n'ira probablement pas jusque-là. On a un tel bouleversement géopolitique aujourd'hui en Arabie Saoudite, avec le fait qu'ils sont en train de normaliser avec Israël, selon des modalités plus ou moins discrètes, etc., des échanges de chercheurs, des choses comme ça, ou même des interviews de ministres saoudiens sur la télévision israélienne, que les Saoudiens sont face à une situation qui est assez étonnante. Le seul pays stable de la région, enfin les deux seuls pays stables de la région, c'est l'Iran et Israël. Bon, ils sont plutôt prêts maintenant aujourd'hui à se rapprocher d'Israël que de se rapprocher de l'Iran. Donc effectivement, ce sont des pays qui savent qu'ils sont des pays de la première ligne, et qui savent très bien que s'il y avait un conflit de haute intensité, c'est d'abord sur eux que l'Iran viserait, si vous voulez, à faire une action militaire armée. Donc je pense qu'effectivement, en Israël, au-delà, si vous voulez, de la personnalité de Netanyahou, qui se rapproche quand même beaucoup de celle de Trump, vous avez effectivement des gens qui pensent qu'ils n'auraient pas attiré grand-chose, si vous voulez, d'un conflit sérieux entre l'Iran et les États-Unis. Rappelez-vous le scénario de l'Irak, quand même. Hein. Ça a été une catastrophe absolue. Il faut penser quand même que l'Arabie Saoudite, c'est le pays dont le coût de production pétrolier est le plus bas. C'est-à-dire que si les Saoudiens décident de laisser les prix s'effondrer, tout le pétrole de schiste américain disparaît du marché. Parce qu'il est lui-même très cher à produire, si je ne m'abuse. Et donc n'oubliez pas que le pétrole américain est quand même soumis aux conditions, si vous voulez, du marché international. Bon, la deuxième chose, je pense qu'il y a eu une alliance très ancienne, si vous voulez, pendant laquelle les Saoudiens ont construit un lobby aux États-Unis qui est extrêmement puissant. Pensez quand même que vous avez 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre, et que George Bush, dans le discours sur l'état de l'Union en janvier 2002, accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Donc vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient l'axe du mal, quoi. Donc vous avez bien aux États-Unis. Moi, je sors au début de l'année prochaine un bouquin sur le lobby saoudien en France, en parallèle d'ailleurs avec le lobby saoudien aux États-Unis. Et donc vous avez des positions de force et d'influence extrêmement puissantes. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez d'un seul coup quitter l'Arabie Saoudite parce que c'est un énorme marché de l'armement, parce que c'est un énorme marché industriel, etc. Et puis en plus, si vous voulez, avoir dans son escarcelle le pays des lieux saints quand on s'oppose à l'islam politique, ça peut quand même aider, si vous voulez, dans l'argumentaire international. Donc je ne suis pas sûr qu'il veuille laisser tomber le gâteau. Le gâteau est très, très riche, il est abondant. Vous savez, Mohamed Ben Salman promet de faire une cité technologique Neom pour laquelle il devrait dépenser 500 milliards de dollars. Vous êtes un industriel américain, vous dites, attendez, si j'en gratte même 0,5%, je suis richissime. Donc vous n'allez pas abandonner un marché pareil. En plus, l'avantage, c'est que ça fait des années que les Saoudiens ne travaillent pas, donc vous n'allez pas d'un seul coup créer une industrie en Arabie Saoudite. Donc vous avez tous les arguments, si vous voulez, qui sont de nature extra-stratégique, qui font que les positions de l'Arabie Saoudite dans le champ intellectuel américain occupe une position forte, si vous voulez. Le taux multiplicateur des ventes d'armement est à peu près de 3 ou 4, si vous voulez, le prix moyen. Bon. Donc, ne négligez pas un marché pareil. Surtout quand vous pensez qu'en plus, excusez-moi, je termine, mais pendant longtemps, les Saoudiens achetaient des armes pour ne pas les utiliser. Ils achetaient des garanties de sécurité, ils achetaient des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils achetaient la garantie que le pays vendeur viendrait les aider le jour où il y aurait besoin. En 67, ils envoient une brigade pour la guerre des 6 jours, ils arrivent trop tard, la guerre est finie. Bon, et donc maintenant ils sont au Yémen et vous avez vu, c'est du massacre pur et simple. Et du coup, personne aux États-Unis ne critique la stratégie saoudienne au Yémen. Pourtant, il y a un beau sujet, quoi. Donc je ne suis pas sûr que ça va, qu'ils vont abandonner ce pays magique. Ouais, alors pour l'instant, l'Arabie Saoudite fait quand même bien des misères à l'industrie du gaz de schiste. Tout allait bien jusqu'en 2014. Pétrole à 105, 110 dollars. Ça sortait à l'époque à 65 dollars en moyenne, hein, du sol américain, hein, tout compris. Ils ont réussi à abaisser le coût pour les meilleurs champs permiens autour de peut-être 45, 50 dollars. Mais vraiment, ça, c'est pour ceux qui ont les débits les plus importants et les frais de forage les plus faibles. Donc là, un baril à 25-30 dollars, ça c'était mortel. Et on va revenir un petit peu là sur les relations ou le basculement vers l'Asie. Les Saoudiens, ils ont quand même négocié des contrats avec Pékin.
ils leur ont fait des prix d'amis. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait le prix, il y avait le prix Rotterdam, le prix Londres ou le prix NYMEX à New York. Et les Saoudiens négociaient avec les Chinois 30 ou 40% en dessous du prix spot. Voilà. Et alors les Chinois en ont profité, ils ont rempli les cuves. Ce qui a un double avantage, c'est qu'ils ont payé le pétrole pas cher. Et puis là, ils en ont acheté tellement, et eux, ils avaient des capacités de stockage que les Américains n'avaient pas avec leur pétrole de schiste, qu'avant que les Chinois, la demande chinoise pèse et fasse remonter les prix du pétrole mondiaux, il va se passer un certain temps. Or, le temps, c'est de l'argent, et pour les producteurs de pétrole de schiste américains, le temps est écoulé. C'est-à-dire que si le pétrole pouvait remonter là tout de suite à 50, 60 dollars, ce qui n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite, il pourrait être sauvé. Si les Chinois en ont beaucoup stocké et qu'ils attendent le printemps 2021 pour repasser commande et commencer à peser un peu sur le marché pétrolier mondial, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs américains qui seront morts. Et un puits de pétrole dit Shell Oil, une fois qu'on a arrêté de l'exploiter, on peut retourner le robinet après, il n'y a plus rien qui sort. Il faut repercer, remettre des explosifs, recréer de la pression là-dedans, ça coûte très cher. Alors que si le Saoudien décide de réduire un peu la production, il suffit effectivement de tourner, hein, la grosse manivelle en fonte là, on mettait deux gars et puis ça suffit. Aux États-Unis, il faut des équipes, des mineurs, il faut importer du sable, importer de l'eau. Donc une fois que les puits de schiste sont arrêtés, je pense qu'ils sont arrêtés pour un certain temps. Voilà. Donc je pense que là, les Saoudiens ont joué vraiment quand même un vilain tour à leurs amis américains. Je voulais passer donc la parole à Stéphane pour cette fois-ci aborder l'arsenal juridique ou judiciaire américain. Les choses ne se sont évidemment pas arrangées avec Trump. Voilà. Il ne faut quand même pas oublier que les plus grosses amendes infligées aux banques françaises, ça a été quand même sous Obama, notre ami Obama, bien sûr. Mais avec Trump, il y a quand même un tournant supplémentaire qui arrive. C'est-à-dire que, bon, l'arsenal juridique extraterritorial américain continue d'être utilisé, je dirais presque à saturation. Mais depuis Trump, les investissements américains en Chine ont fortement baissé. Alors, ça avait commencé un petit peu sous Obama. On était à 450 milliards d'investissements occidentaux, donc vous comptez au moins la moitié pour les seuls Américains. En 2013, on était à 320 milliards fin 2016, donc élection de Trump, et on est tombé cette année à 150 milliards. Donc ça veut dire que les Américains, ça représente environ 75 milliards. Donc ils sont passés de plus de 250 milliards à 75, et ça, je dirais que c'est un vrai mouvement historique qui se surajoute finalement à toutes les misères juridiques que les Américains essaient de faire aux entreprises concurrentes. Voilà, donc c'était pour essayer de mettre un peu en perspective qu'il y a beaucoup de choses qui vont, on va dire, de façon un petit peu concordante vers un unilatéralisme américain et dont Stéphane va savoir vous parler beaucoup mieux que moi. Vous avez tous vu hier qu'on a signé un accord au niveau de la communauté européenne à Bruxelles sur lequel la France va récupérer 38 milliards de dollars sur une dizaine d'années. On sera un contributeur net. Pour mettre ça en perspective, la France, les entreprises françaises ont payé depuis 10 ans 14 milliards de dollars d'amende au Trésor américain. Ça, c'est le coût direct. Le coût indirect, ils ont à peu près dépensé autant pour se défendre. Donc, ils ont payé des avocats américains pour défendre dans le cadre de ces procédures. Ensuite, vous avez, donc on est à peu près à 28-30 milliards. Et ensuite, vous avez tous les coûts indirects que sont les coûts de rachat d'entreprises, de rachat de technologies, pillage de notre savoir-faire.
Donc, vous avez vu sur les entreprises qui ont été les plus sanctionnées françaises, Alstom vendu, Alcatel vendu, Technip vendu, etc., juste après avoir payé de grosses amendes au Trésor américain. Donc, l'extraterritorialité du droit américain, c'est quelque chose de très concret pour tout le monde, pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, etc., parce qu'il y a des impacts très directs. Vous n'avez qu'à aller voir à Belfort actuellement comment ça se passe. Promesse de 1000 emplois, au bout du compte, licenciement de 1000 personnes. Donc, comment on en est arrivé là? Quelles sont les réactions? On en est arrivé là, alors, les Américains ne sont pas les premiers à utiliser le droit comme arme de guerre économique. Je rappelais que les Romains ont été très bons en imposant leurs droits un peu partout en Europe, que les Anglais dans le Commonwealth ont imposé leurs droits aussi, et que Napoléon a imposé le droit un peu partout en Europe. Donc c'est pas les Américains qui ont inventé l'utilisation du droit comme arme de guerre économique. Mais à partir du moment où un pays a une dominance politique et surtout militaire, elle va essayer d'imposer aussi son droit un peu partout dans l'Est du monde pour gérer les relations commerciales, entre autres. Donc les États-Unis ont juste mis ça à un niveau inégalé. Depuis la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, vous avez les 16 agences de renseignement américaines qui se sont retrouvées au chômage. Il n'y avait plus d'ennemis vraiment en face. Et donc sous Clinton, vous avez eu une réorientation des agences de renseignement américaines du renseignement politique, on va dire, vers le renseignement économique. Actuellement, à peu près 60% des effectifs des agences de renseignement américaines sont concentrés sur le renseignement économique, alors qu'en Europe, à peu près tout le monde travaille sur un seul thème, qui est l'antiterrorisme, qu'on doit en partie aux Américains, comme vous le savez. Donc on a une asymétrie des forces en présence. Et cette asymétrie est justifiée côté américain par deux vecteurs. Et ils utilisent ces deux vecteurs pour en fait rattacher tout contrat dans le monde avec le territoire américain. Ces deux vecteurs, c'est un, l'utilisation du dollar. On parlait du pétrole encore. 70% des transactions commerciales dans le monde se font en dollars. Et deux, c'est bien évidemment Internet. Donc à partir du moment où un contrat est labellé en dollars, les États-Unis s'arrogent le droit de poursuivre les entreprises qui ont conclu ces contrats. De même, à partir du moment où des emails transitent ou sont stockés sur des serveurs aux États-Unis, les États-Unis s'arrogent le droit de poursuivre les entreprises. Donc, avec ces deux vecteurs, en fait, on rattache à peu près toute transaction et tout contrat à peu près dans le monde au territoire américain. Donc, à partir de ce moment-là, on peut essayer de régir qui négocie avec qui commerce avec qui fait quoi. Donc, alors toujours sous couvert de bonne moralité, bien évidemment. Donc on va faire des lois pour justifier l'injustifiable, hein, comme le rappelait Pierre sur Guantanamo. On est dans un cadre qui n'est pas légal, donc on crée une jurisprudence là-dessus, on va créer une loi ad hoc. Donc les États-Unis avaient dans leur arsenal tout un tas de lois qu'ils ont ressorties au fur et à mesure et qu'ils ont rendues extraterritoriales. La plus dévastatrice, ça a été le Foreign Corrupt Practice Act, qui est une loi de 77 qui était passée juste après l'affaire du Watergate, à un moment où les Américains se sont aperçus que leurs grandes entreprises américaines, notamment Lockheed Martin, payaient à peu près partout, des pots de vin un peu partout dans le monde pour vendre leurs chasseurs contre notamment nos Mirages. Donc gros scandale aux États-Unis, Carter est obligé de légiférer, il décide de pondre cette loi qui empêche les entreprises américaines de payer des pots de vin à l'international pour remporter des contrats. Seul problème, c'est que les entreprises américaines se disent « Ok, nos copains japonais, nos copains européens, français, etc. continuent à payer des pots de vin un peu partout dans le monde. Non seulement ils continuent à les payer, mais en plus, ils vont à leur ministère de la Finance et ils déclarent les pots de vin et c'est retiré de leurs impôts. » Ce qu'on faisait en France jusqu'à l'an 2000. Toutes les entreprises allaient à Bercy déclarer les pots de vin. Donc les entreprises américaines se disent « Ok, asymétrie des forces, donc mettre les pressions sur le Congrès américain pour ne pas appliquer cette loi. » Et pendant 25 ans, cette loi n'est pas appliquée.
Il y a des petits malins côté États-Unis qui, à partir de la fin de la guerre froide, se disent « Ok, on va peut-être ressortir cette loi et on va la rendre extraterritoriale, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où, maintenant, à partir de 1998, ils la rendent extraterritoriale et à partir de ce moment-là, elle touche toutes les entreprises dans le monde. » Donc, en plus, on va mettre la pression sur l'OCDE pour que les pays membres de l'OCDE imposent à leurs entreprises d'arrêter de faire de la corruption, donc c'est aussi en 1998, même année. Et troisième cerise sur le gâteau, on va donner toute l'attitude aux agences de renseignement américaines pour espionner de manière massive nos concurrents. Donc ça, c'est le Patriot Act, mis à jour en fait par Snowden en 2013 avec les révélations sur l'espionnage massif de la NSA sur les entreprises européennes. Je vous rappelle que dans ce qu'a dit Snowden, on est tous amnésiques hein, là-dessus. Mais il faut relire un peu ce qu'a dit Snowden à l'époque. Snowden prouve que la NSA avait un programme qui, notamment, qui était concentré sur les entreprises allemandes et françaises, et qui disait que tous les salariés qui travaillaient dans les entreprises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars, donc c'est Alstom, Airbus, Technip, etc., étaient systématiquement sous écoute de la NSA. Donc c'est sûr que lorsqu'on est en concurrence avec des entreprises américaines dans les domaines de défense, de télécom, de life science, etc., et que vous avez la NSA qui donne tout un tas d'informations à vos concurrents américains, où il y a une distorsion de concurrence, cette fois-ci, qui n'est pas vraiment à notre avantage. Donc, alors ils se sont fait prendre la main dans le sac, comme vous le savez avec l'affaire Snowden. Donc à chaque fois que les Américains se font prendre la main dans le sac, qu'est-ce qu'ils font derrière? Comme ils l'ont fait avec Guantanamo, ils pondent une nouvelle loi. D'accord? Qui pose un cadre légal sur ce qui est inacceptable. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de 2018? Ils ont produit ce qu'on appelle le Cloud Act. Quelqu'un, vous voyez ce que c'est le Cloud Act? Ok, une personne. Alors le Cloud Act, c'est extrêmement important parce que ça touche tout le monde. Le Cloud Act, ça dit la chose suivante. C'est-à-dire que à partir du moment où des entreprises stockent leurs données sur des serveurs et que c'est les entreprises qui stockent les données sont des entreprises américaines, donc Microsoft, Amazon, etc., toutes les GAFA, le gouvernement américain peut demander à ces entreprises américaines de donner toutes les données stockées sur ces serveurs, même si ces serveurs sont basés en France ou en Europe. Donc ça, c'est l'extraterritorialité poussée à son paroxysme, parce que ça veut dire que plus aucune donnée n'est privée, en tout cas pour les entreprises. Et donc il suffit qu'un procureur qui va être alerté par un donneur d'alerte américain, qui va être alerté par une entreprise américaine concurrente d'une entreprise européenne, etc., ce procureur va très rapidement avoir l'accord d'un juge pour demander à ce que les données stockées sur les serveurs basés à Paris d'une entreprise française soient transférées aux États-Unis. J'ai une petite question. Et est-ce que nous autres Européens, on peut demander aux Américains de faire un petit peu de la transparence sur les sites djihadistes qui sont hébergés par exemple au Texas, etc. Non mais... Avec les États-Unis, tout va dans un sens. Il n'y a jamais de réciprocité. On le voit en termes de transparence financière. Avec, on a vu le FATCA avant, qui aussi transfère tout un tas de données vers les États-Unis. Vous avez le Cloud Act, vous avez le Foreign Corrupt Practice Act, vous avez le MACF. Tous les ans, on a une nouvelle loi américaine qui va être pondue, qui va justifier l'injustifiable. Donc avec tout ça, en fait, ils décident de ce qu'ils font. Alors, la grosse différence entre Trump et Obama, c'est que Trump dit tout haut ce qu'Obama faisait tout bas, d'accord? Parce qu'en fait, il n'y a absolument aucune différence, et demain, on va nous mettre Biden ou quelqu'un d'autre, il n'y aura absolument aucune différence. Donc il ne faudrait surtout pas se leurrer en tant qu'Européen sur la politique à long terme des États-Unis. L'État américain est là pour défendre les intérêts économiques des entreprises américaines. Point barre. Ils n'ont pas la même définition de l'État que nous. La raison d'être de l'État américain, c'est de défendre l'économie américaine et de défendre leurs entreprises. Obama est celui qui a, en fait, industrialisé cette utilisation du droit comme arme de guerre économique. C'est sous lui
comme vous le rappeliez, c'est celui que les plus grosses sanctions ont été payées par les entreprises françaises, mais pas que les entreprises françaises. En fait, les États-Unis ont d'abord ciblé leurs partenaires commerciaux, leurs alliés. D'accord ? Ils ont d'abord ciblé toutes les entreprises européennes. Donc la France, 14 milliards, l'Allemagne, à peu près pareil, la Suède, la Norvège. La première entreprise qui a été ciblée, c'était Statoil, l'entreprise norvégienne. Les Italiens, ils ont même sanctionné les Anglais. D'accord ? Ils ont même sanctionné British Aerospace pour avoir payé des pots de vin, où ça ? En Arabie Saoudite, dans le cadre d'un contrat d'armement. Il faut quand même le faire. Enfin, que les Américains voient la paille chez les Anglais et pas la poudre dans leur œil, en termes de corruption d'agents publics en Arabie Saoudite, il faut quand même le faire. Mais bon, tout ça passe parce que personne ne réagit, en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont vraiment fait le ménage, on va dire, en Europe, et ils ont ciblé des pays où il y a encore une industrie qui est encore concurrente des entreprises américaines, ben ils ont commencé à s'attaquer à d'autres pays. Alors au début, ils ne s'étaient pas attaqués à la Russie, ils sont attaqués récemment à la Russie avec deux entreprises dans les télécoms russes qui ont été sanctionnées, et très peu de réactions russes aussi, en fait, hein. Pas de réciprocité russe, comme il n'y a pas eu de réciprocité européenne sur ce sujet. Donc maintenant, ils sont attaqués à la Chine. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On l'a vu avec l'affaire Huawei, qui est une affaire extrêmement similaire à l'affaire Alstom, en tout cas sur le fond. C'est-à-dire, on va accuser Huawei, cette fois-ci, d'avoir enfreint les embargos décrétés par les Américains eux-mêmes, alors que sur l'affaire Alstom, on avait accusé Alstom d'avoir payé des pots de vin dans certains pays. Et sous ce prétexte-là, on va faire payer le maximum à l'entreprise, voire la démanteler, voire essayer de bloquer ses contrats. Alors la grosse différence, c'est que maintenant, c'est assumé, et je vais vous juste faire une citation. Il y a quelqu'un dans le gouvernement américain qui a dit la chose suivante. Nous devrions maintenant racheter Nokia et Ericsson pour contrer Huawei et pour avoir le contrôle sur la 5G. Donc ça veut dire que les Américains sont en retard sur la 5G et en fait, à part à Huawei, leurs deux autres concurrents sont Nokia et Ericsson, donc en Europe. Vous savez qui a dit ça? Qui a dit qu'il fallait racheter Nokia et Ericsson? C'est pas le département du commerce, c'est pas le département d'État, c'est pas la présidence Trump lui-même. C'est le patron du Department of Justice. D'accord? C'est le ministère de la Justice américaine. Donc qui dit tout haut, alors que c'est pas du tout son rôle, alors qu'ils sont en train de faire le procès de Huawei et de la CFO de Huawei. Ils disent tout haut, non, on devrait racheter Nokia Ericsson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, ils font absolument pas confiance aux Européens pour contrôler la 5G, donc ils ne sont absolument pas, on est absolument pas des partenaires pour eux, on est des ennemis. Et ça veut dire surtout que le droit est mis au service de l'économie américaine. Autre chose, vous avez le département de justice qui a menacé les entreprises qui construisent le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne de sanctions s'ils continuaient à construire ce gazoduc. Encore une fois, c'est qu'une considération géopolitique et économique derrière, il n'y a aucun droit derrière tout ça. Je vais vous raconter une petite anecdote juste pour vous voir à quel point le droit peut être complètement manipulé. J'ai eu la chance de passer 25 mois dans les prisons américaines, donc dont 14 mois en haute sécurité. Non, c'est une chance parce que pendant ce temps-là, j'ai eu le temps d'étudier tout. Parce que très peu de gens ont le temps de lire. Vous étiez en haute sécurité parce qu'on ne voulait pas qu'il vous arrive. Oui, voilà, c'était bon pour DG. Epstein, vous voyez. Voilà. Exactement. Bah, j'étais effectivement dans la prison d'Einstein. Là. J'étais mon dernier séjour, enfin la dernière prison que j'ai faite. Et donc, non, mais ça, quand vous êtes en prison, vous avez le temps. Hein. En fait, le but, c'est de tuer le temps. Et donc, j'ai utilisé mon temps pour relire tous les cas des entreprises qui avaient été sanctionnées par les lois extraterritoriales américaines et tous les individus qui avaient été sanctionnés, etc. Et donc, dans la deuxième prison où j'étais dans une prison que pour étrangers. Donc 1800 personnes, 1000 Mexicains, 500 Dominicains,
une trentaine de Russes, un Français. Et j'étais là pour la Coupe du Monde, donc j'étais le héros, la star. Et donc, dans ces prisons américaines, sont des prisons privées. Le personnel de la prison est vraiment réduit au strict minimum, c'est simplement les gardiens. Et tout le reste dans la prison est fait par les prisonniers. Donc le nettoyage, les repas, la plomberie, tout. D'accord ? Pour réduire au maximum les coûts. C'est le régime ouïghour. Ben c'est justement, je vais y venir à votre histoire de ouïghour. Parce que, donc là, en fait, tous les prisonniers étaient obligés de travailler. Et obligés de travailler dans certaines prisons pour rien, dans d'autres prisons pour un salaire énorme de 12 cents de l'heure. Donc moi, je travaillais 5 jours par semaine, 5 heures par jour. À la fin du mois, j'avais un chèque de 10 dollars. D'accord ? Donc ils sont obligés de travailler. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire travailler des gens, à forcer les gens à travailler en prison, alors que ces gens sont tous des immigrés illégaux, et qu'en dehors des murs de la prison, ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont justement là parce qu'ils se sont fait prendre dehors parce qu'ils étaient illégaux, mais à l'intérieur de la prison, ils étaient obligés de travailler. Donc je me suis dit, mais comment légalement ils arrivent à faire ça ? Et en fait, il y a une loi qui permet aux États-Unis de faire travailler les gens, le travail forcé en prison. Quelqu'un a une idée ? C'est l'article 5, non ? Non, 13. 13, qui abolit l'esclavage. Voilà, c'est l'article 13 de la Constitution américaine qui abolit l'esclavage, sauf dans les prisons. Donc on parlait d'esclaves dans le Xinjiang, chez les Ouïghours. Mais chez eux, toutes les prisons qui hébergent des étrangers, et même pas que des étrangers, en fait, légalement, les gens sont considérés comme esclaves. Donc ça vous montre à quel point on peut arriver à tourner le droit pour faire accepter l'inacceptable. Trump est arrivé aux affaires donc, fin janvier 2017. Voilà. Prêt de serment. Il arrive à la Maison Blanche et immédiatement, il décide de dénoncer tous les traités. Traités ALENA, traités transpacifiques, etc., etc. Il dénonce tout. Obligé de regarder, hein, par moyen d'empêcher ça. Et à chaque fois, donc, Trump explique qu'il va renégocier le meilleur accord commercial qu'on aura jamais eu, hein, dans l'histoire des États-Unis quand même. Après, bon, depuis le Tea Party, là, depuis qu'on avait balancé les ballots de thé anglais dans le port, après, on en a quand même fait des traités commerciaux. Hein. Mais Trump allait nous faire les meilleurs traités commerciaux, bien sûr. Et puis ça allait assez vite quand même avec le Canada, le Mexique. Aussi. Ouais, ils sont efficaces, hein. Ils bossent les mecs. Et puis quand on reprend les traités commerciaux, finalement, ça ressemble quand même beaucoup au traité original. C'est quand même curieux. Alors. Mais qu'est-ce qui a changé dans les traités ? Ah oui, un petit truc, c'est que lorsqu'on a un conflit commercial, ça va être arbitré aux États-Unis. Alors, on ne va pas faire appel à l'OMC. On ne va pas faire appel à la plus haute juridiction du Luxembourg qui régit tous les grands pataquès intra-européens ou avec nos amis anglais. Les nouveaux traités introduisent le fait que ce sont des entités parapubliques. En tout cas, qui ne dépendent pas du tout du ministère de la Justice, pour le coup. C'est un petit peu comme si le MEDEF devait arbitrer des conflits entre sidérurgistes canadiens, américains ou mexicains. Bon, c'est quand même le MEDEF américain qui va arbitrer le truc. Hein. Alors, depuis Obama, je me suis amusé à faire un petit peu le bilan. Donc, il y a eu 36 très gros dossiers opposant les énergéticiens canadiens, les sidérurgistes, les boîtes informatiques. 36 gros dossiers juridiques, etc. Et avec les juridictions américaines, les plaignants
ont été déboutés 29 fois sur 36. C'est-à-dire que, voilà, on sait que quand on va avoir un conflit maintenant avec les Américains, ça va être arbitré, alors, soit par, on va dire, le syndicat, par exemple, des sidérurgistes, ou le syndicat des spécialistes de la microélectronique, c'est eux qui vont arbitrer le conflit. Voilà, c'est même pas la justice américaine. Donc je crois que maintenant on a bien compris que lorsqu'on signe un traité avec les Américains, si ça se passe mal, de toute façon, ça sera de toute façon à leur avantage. Bon, je vois pas qu'on réagisse beaucoup à ça non plus. Hein. Le problème, c'est qu'on met des mots sur des choses qui en a le même mot sur des choses qui n'ont rien à voir. On parle de justice, mais en fait, aux États-Unis, c'est pas de la justice, c'est de la négociation. Sur toutes les entreprises qui ont été en conflit avec le département de justice, par exemple sur les pour enfreinte aux lois américaines sur la corruption, sur le contrat d'exportation, etc., aucune n'est allée au procès. D'accord ? Il n'y a pas de procès. Parce que vous voyez, on parlait de films tout à l'heure, mais on a tous en tête les cours d'assises aux États-Unis, on a été biberonné ça de séries télévisées, Law and Order, ce genre de conneries, où vous avez un juge, un avocat qui va défendre la veuve et l'orphelin devant un procureur. C'est du cinéma. En fait, c'est du cinéma. Il y a pratiquement plus de procès aux États-Unis. À partir du moment où une personne est mise en examen aux États-Unis, à 90%, elle va plaider coupable. Donc vous avez déjà 90 sur 100 personnes qui décident de plaider coupable. Pourquoi ? Parce que les peines de prison sont tellement disproportionnées si vous prenez le risque d'aller au procès que vous n'allez pas aller au procès. Moi, on m'avait dit, si vous allez au procès et que vous perdez, c'est 15 ans de prison. Si vous plaidez coupable, c'est 6 mois. Bon, ok, à moins d'aller jouer à la roulette russe, c'est le cas de le dire, vous allez plaider coupable. Donc, et c'est ça pour tous les types de crimes. Donc c'est pour ça qu'on arrive à ces statistiques complètement délirantes. Et sur les 10 qui vont au procès, vous en avez 8,5 qui perdent. Donc ils ont un taux stalinien de 98,5% de taux d'incarcération. D'accord ? Donc c'est complètement ahurissant. Donc on n'est plus dans un système tel que de justice tel qu'on le conçoit en Europe. Et c'est la même chose dans les transactions commerciales. C'est exactement la même chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que comme il y a très très peu de procès, il y a très très peu de jurisprudence. On parle d'extraterritorialité américaine, l'utilisation du dollar, l'utilisation d'Internet, etc. Mais ça, c'est une interprétation des procureurs du département de justice sur l'extraterritorialité américaine. Ça n'a jamais été approuvé par la Cour suprême des États-Unis. Personne n'est allé jusqu'à la Cour suprême pour essayer de tester ces concepts. Mais tant que ça marche, tant qu'on gagne, on joue. D'accord ? Et comme. Alors, maintenant, on va voir ce qui va se passer. La Chine va réagir. Parce que ce sont les seuls qui peuvent réagir. On l'a vu dans l'affaire Huawei. Vous arrêtez une de nos personnes, on en arrête trois, après on discute. Dans mon cas, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Vous avez acheté un cadre d'Alstom, on arrête un cadre Google, un cadre de Google, et après on discute. C'est un pays qui ne comprend que les rapports de force. À partir du moment où on ne crée pas le rapport de force, on est en position d'infériorité, et dans ce cas-là, on se fait marcher dessus. Le seul pays actuellement qui résiste, c'est la Chine. Alors, le problème, c'est que la Chine, elle prenne très très vite. Donc, l'extraterritorialité du droit américain, ils l'ont appris très rapidement. L'année dernière, je suis allé 4 fois en Chine, parce que mon livre a été traduit en chinois. 4 jours après qu'il sorte en France, il y a eu un mois avant l'affaire Huawei. Donc ils l'ont traduit tout de suite, ils l'ont mis sur le marché, 1 million de ventes en un an, parce qu'ils se sont dit, tiens, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas chinois qui dit que les Américains sont des méchants, on va lire ce qu'il raconte, ce gars-là. Et donc ça a été la Bible du patron de Huawei qui a donné une interview à Bloomberg avec mon bouquin traduit en chinois. Il y a eu une photo, c'est devenu viral, et donc comme ça. Il y a le Washington Post qui a écrit quand même pourquoi le patron de Huawei lit le livre d'un Français. Et ensuite, le seul vainqueur de la guerre sino-américaine, c'est un Français qui a écrit un bouquin. Donc ça vous montre à quel point ils sont devenus passionnés par l'extraterritorialité du droit. Au point que. Je ne sais pas si vous avez lu les conclusions du 13e congrès du parti qui s'est achevé en mai. Une des priorités, créer des lois extraterritoriales chinoises. En termes d'export-contrôle, contrôle d'exportation,
corruption, etc., etc. Donc demain, nous, pauvres Européens, on va se retrouver quoi ? On va se retrouver pris en étau entre les lois extraterritoriales américaines, les lois extraterritoriales chinoises, parce que les Chinois vont trouver un moyen, un rattachement territorial avec la Chine. Il suffit qu'ils décrètent comme les Anglais. Les Anglais n'avaient pas ni le dollar, ni Internet. Ils ont décrété qu'à partir du moment où vous avez une filiale en Angleterre, tout le groupe est sous loi anglaise. Donc demain, vous imaginez les Chinois dire, à partir du moment où vous avez une filiale en Chine, tout votre groupe est sous loi chinoise. Oui. Donc là, on va se retrouver pris en étau. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se coordonner en Europe. Et qu'il ne faut surtout pas attendre de l'Europe une solution à ce problème-là, parce qu'on est dans du pénal et là, c'est du ressort de chaque État. Et il n'y a absolument pas de coordination européenne sur ces sujets. Il faut prendre notre destin en main. En France, on a commencé à le faire. De manière défensive, mais ça encore, on est très très loin des enjeux. L'extraterritorialité des lois chinoises, je pense que tout le monde ici va très très vite saisir l'intérêt, voire c'était absolument incontournable, puisque Pékin a un projet Silk Road terrestre. Et maritime, et passe des accords avec X pays. Alors, souvent, ce sont des accords léonins, puisque les pays qui commercent avec la Chine n'ont pas le premier centime ou le premier dollar pour acheter des produits chinois ou construire une voie de chemin de fer. Je pense que je vais changer de micro. Une voie de chemin de fer entre la mine et le port. Par lequel on va charger les matières premières. Donc les Chinois passent énormément d'accords avec énormément de pays. Ils les assujettissent aussi, ils ont bien compris ça des Américains, également par le crédit. Parce qu'une fois que vous devez aux Chinois, vous devez soit rembourser en dollars, et si vous ne les avez pas, bah vous rembourserez en matières premières. Voilà. D'ailleurs, les Chinois avaient trouvé un très très bon argument pour contourner l'accusation de se débarrasser de leur dollar, ce que les Américains prenaient pour une véritable déclaration de guerre. En fait, les Chinois se sont amusés à prêter beaucoup plus que ne pouvaient rembourser certains pays, et ils prêtaient des dollars, et ils espéraient en retour des dollars. Mais puisque ces pays ne les avaient pas, les dollars, ils ont remboursé avec des matières premières. Donc, hop, fuit, tour de passe-passe, j'ai prêté des dollars, ils ne peuvent pas me les rendre, ils m'ont rendu des matières premières. Désolé, on a moins de dollars aujourd'hui. C'est pas mal joué. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans le cadre de Silk Road, qui va jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine et partout, il est vrai que le droit chinois accompagne les investissements et les systèmes de financement. Encore une fois, ils n'ont rien inventé. Ils font exactement ce que les Américains ont fait dans les années 50 et les années 60. Ils ont fait exactement la même chose. Si vous regardez dans tout le sud-est asiatique, les États-Unis ont fait des prêts, par exemple, notamment à l'Indonésie, en leur faisant construire des choses dont ils n'avaient pas besoin, plein de centrales électriques, plein de barrages, etc., financés par les États-Unis. Et au bout du compte, ils n'ont pas pu les rembourser les prêts. Donc les Chinois adoptent exactement la même stratégie que les États-Unis. Avait mis en place dans les années 50-60. Alors, l'extraterritorialité du droit chinois via la Silk Road, j'ai un point d'interrogation là-dessus, parce que à partir du moment où vous négociez un contrat et entre une entité A et une entité B, vous allez essayer d'imposer votre droit dans le contrat. Alors, moi, j'ai construit des centrales en Chine, vous pensez bien qu'on n'acceptait jamais le droit chinois. Bien que les centrales soient construites en Chine. D'accord ? On essayait toujours d'imposer un droit qui nous plaisait, soit le droit anglais, soit le droit français, soit un contrat qui nous protégeait. Donc que les Chinois essaient d'imposer leurs droits lorsqu'ils achètent le Pirée, etc., ça, c'est pas si choquant que ça. Là, lorsqu'on parle d'extraterritorialité du droit, c'est autre chose. C'est vraiment ce que font les États-Unis actuellement avec ce Cloud Act, avec le Foreign Corrupt Practice Act, etc. C'est essayer de rattacher toute transaction, même dans laquelle on n'est pas parti, au territoire américain. Et c'est ça qui
qui montre que les États-Unis sont passés à la vitesse supérieure. Et demain, si les Chinois font la même chose, on va être très embêté. Il y a une certaine réponse aux États-Unis non pas l'extralégalité du droit américain, mais sur les dérives du département de justice et sur les dérives du droit américain. Parce que ceux qui sont en premier concernés, ce sont quand même les Américains. Je vous donne un exemple. Si vous êtes noir aux États-Unis, vous avez une chance sur trois d'aller en prison dans votre vie. Donc, les prisons sont pleines, sont pleines de gens qui ne devraient jamais y être, en tout cas pour les durées extrêmement longues pour lesquelles ils y sont. Et donc, lorsque j'ai sorti mon livre, j'ai eu pas mal de réactions, par exemple, d'avocats américains et aussi de juges américains. Parce que quand on est dans une justice négociée, moi, en 5 ans de procédure, j'ai jamais vu de juge. On ne m'a jamais demandé ce qui s'était passé sur le cas. C'est qu'une négociation entre un procureur et un avocat, soi-disant de la défense, mais qui ne fait que négocier. Vous avez beaucoup d'avocats qui ont perdu leur âme, là-dedans, parce qu'ils vont à l'école pour, soi-disant, défendre des entreprises, défendre des individus, etc. Et puis, ils se retrouvent dans la vraie vie, maintenant, à négocier. Ce n'est pas leur job de négocier. Ils n'ont pas été formés pour ça, ils ont été formés pour défendre. Donc vous avez beaucoup d'avocats aux États-Unis qui s'offusquent des dérives du département de justice depuis 15 ans. Ensuite, vous avez les juges. Les juges, on a appelé ça maintenant des juges tampons aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils mettent simplement un tampon sur ce qui a été négocié entre un procureur et une entreprise, ou entre un procureur et un avocat, une personne. Donc les juges aussi se sentent complètement dévalorisés actuellement. Et donc vous avez beaucoup de juges qui en ont marre de jouer les juges tampons et qui parfois rejettent les accords et leur demandent de renégocier. Mais c'est quand même extrêmement rare encore. Donc dans l'état d'esprit de beaucoup d'Américains, l'extraterritorie américaine bénéficie de toute façon à leurs propres entreprises, de leurs propres emplois, etc. Et donc, alors, j'ai eu la chance d'être invité dans quelques universités américaines quand même pour parler de ça. Et on sent quand même qu'il y a certaines réactions. La viscosité du système stratégique américain, c'est quand un pays vous a résisté une fois et qu'il ne veut pas revenir en réminiscence, et bien à ce moment-là, il reste un ennemi définitif. Regardez le cas de Cuba. Bon, si on y réfléchit bien, en 59, quand Castro prend le pouvoir et qu'il nationalise les biens américains, c'était les bordels et les casinos, c'est-à-dire c'était la mafia américaine. Bon, ça n'empêche qu'Kennedy va prendre la défense de la mafia américaine. Et puis, tentative, bébé cochon, etc. Depuis cette époque-là, Cuba reste un ennemi. Je ne parle pas de la crise des missiles. Aujourd'hui, s'il y a vraiment un tir de fusil qui part de... Il y a toujours la base de Guantanamo, vous savez, qui est sur un bail amphithéotique où sont enfermés les islamistes qui connaissent même pas Cuba, ils n'ont même pas pu sortir. Enfin bref, on est sur un système où, si vous voulez, l'Iran fait partie de cette catégorie. Pourquoi ? Parce que l'Iran, en 53, voulait tenter de nationaliser le pétrole, c'est l'époque Mossadegh, donc coup d'État organisé par la CIA et par les Anglais, renversement de Mossadegh, installation du Shah d'Iran et redistribution du pétrole, hein, c'est-à-dire que le pétrole passe aux Américains alors qu'il était aux Anglais. Bon. 25 ans de dictature avec une police politique qui s'appelle la SAVAK, qui venait assassiner les opposants à l'étranger, etc. etc. Bon. Quand il y a la révolution de 79, dont on pense ce qu'on veut, mais en tout cas elle a au moins une caractéristique, c'est qu'elle était populaire, à partir de ce moment-là, vous avez le coup de la prise d'otage de l'ambassade, et ça c'est l'humiliation suprême pour les Américains. Et cette humiliation suprême n'est toujours pas, n'est toujours pas pardonnée, c'est-à-dire on a humilié la puissance américaine, et donc il n'y a aucune réminiscence possible pour que, de toute façon, on arrive à normaliser avec l'Iran. Il y a eu des tentatives, mais enfin, fondamentalement, vous avez un système stratégique qui considère que l'Iran est le perturbateur régional. Ce qui est intéressant dans les accords dont vous avez parlé, c'est que, justement, aujourd'hui, la seule entité culturelle qui ne participe à rien, c'est le monde arabe. Le monde arabe est dans un état de déshérence à cause de ses propres divisions, de ses propres inimitiés, mais il ne participe à rien. Vous avez aujourd'hui, vous me dites, la Chine, l'Iran, la Russie, etc. Mais où sont les pays arabes qui veulent participer à une stabilisation de la région? Il n'y en a aucun. Donc vous avez toujours un trou noir aujourd'hui dans lequel, pour en terminer sur votre question, les interventions militaires occidentales depuis 91 ont été tellement catastrophiques. Je ne parle pas de la Yougoslavie, c'est différent. Mais à partir du moment où il y a l'intervention dans le Golfe, puis ensuite la répétition, l'Afghanistan, le machin, l'Irak, la Libye, etc., ces interventions militaires qui étaient poussées par une tendance politique qui s'appelle les néoconservateurs américains
qu'il y a beaucoup de, comment dire, de duplicata en France dans le ministère des Affaires étrangères. À chaque fois, on n'a pas analysé politiquement la crise, on a dit on va la résoudre militairement. Bon, en fait, vous savez bien qu'effectivement, avec des bombardements, on résout des crises politiques. Hein. Le cas de l'Irak étant le plus intéressant, puisque une fois que le bombardement américain, la stratégie américaine est simple, vous cassez chez l'adversaire tout ce qu'il possède. Les infrastructures, les centrales électriques, le machin, etc. Et donc les Irakiens avaient la chance, dans un pays où il n'y avait plus ni l'eau, ni l'électricité, ni l'air conditionné, ni la police, ni la sécurité, d'avoir la démocratie. Donc ils étaient contents. Simplement, il y avait des types, ils disaient, tiens, à l'époque de Saddam Hussein, au moins on avait l'eau, l'électricité, etc. Donc si vous voulez, ces interventions militaires ont été tellement catastrophiques qu'elles ont finalement fini par lasser les opinions publiques, y compris américaines. Et aujourd'hui, quand vous avez un type comme Trump se fait élire en disant, moi je vais ramener les GI, je vais ramener les boys, eh bien vous avez de nouveaux acteurs militaires qui prennent la place, c'est-à-dire la Russie, la Turquie, etc. C'est-à-dire qu'on va accuser la Russie et la Turquie de faire ce qu'on a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, c'est dans ce sens-là que le système stratégique des penseurs, si vous voulez, de ce qu'on appelle les complexes militaro-intellectuels, va venir expliquer que tout ça, c'est pas bien. Tandis que nous, c'était pétri de bonnes intentions. Dans la rivalité irano-américaine, il y a la grande imagerie, vous savez, de l'iranienne avec son espèce de burqa noir. Vous avez ces portraits que vous trouvez dans Téhéran, ces grands portraits de l'ayatollah Khomeini. Les avenues portent, vous avez des grandes avenues à deux fois, trois voies, des autoroutes. Et quand vous arrivez sur Téhéran, c'est assez frappant. Dans d'autres villes aussi, vous avez les portraits des martyrs. Il y a un culte du martyr en Iran. Donc c'est ça, vous le voyez partout. Hein. Ce qu'on appelle les monuments aux morts, quoi. Oui. Ce sont des drapeaux, et vous avez la photo des soldats morts en héros, de ceux qui ont combattu les Américains en 79, etc. Mais en fait, c'est quand même très très téhéranien, si j'ose dire, tout ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la propagande contre l'Iran, vous allez à Téhéran et vous trouvez tout. Tout type de mémorial rappelant que les Américains, c'était le diable, etc. Quand vous allez dans les autres villes iraniennes, à l'exception peut-être de Qom quand même, les Iraniens et les Iraniennes, ils aspirent tous à vivre à l'américaine. Ils écoutent de la musique américaine, ils écoutent du rap, ils écoutent de la pop américaine. Ils s'habillent à l'occidental, ils sont fans des produits L'Oréal, etc. Et en Iran, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le boycott, les Américains ne livrent plus rien à l'Iran. À part ça, ça fait longtemps que les Iraniens n'achetaient plus aucun produit américain. Tout ce que vous trouvez en Iran, c'est chinois. À part les camions qui sont turcs. Les camions, je crois que la Turquie a un contrat, ils fournissent des camions à l'Iran, mais c'est à peu près tout. Donc ce qui fait vraiment très très mal à l'Iran, on va revenir à la thématique pétrolière quand même, hein, c'est le fait que le baril soit tombé à 25-30 dollars et puis que l'Iran n'ait pas le droit de l'exporter. Alors la Chine est capable de prendre tout ce que l'Iran peut produire, hein. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il devient difficile d'exporter du pétrole iranien, et puis ils ont quand même du mal à se procurer des pièces pour entretenir leurs installations. Le champ gazier de South Pars, qu'ils partagent avec le Qatar, pareil, ils n'ont pas trop les moyens de l'équiper, etc. Donc les sanctions américaines font quand même encore assez mal à l'Iran. Et pour Téhéran et le pouvoir iranien, eh ben, c'est une bonne façon de continuer de rassembler le peuple derrière l'ennemi commun, les Américains, qui par leur boycott créent toutes les difficultés internes, alors qu'en fait l'essentiel des difficultés iraniennes, avant les sanctions américaines, ça venait de la corruption, ça venait du détournement de l'argent du pétrole par la nomenclatura proche des ayatollahs. Voilà, donc on va dire que ça arrange tout le monde aussi du côté iranien, que les Américains apparaissent toujours comme l'ennemi, hein, je pense. Juste une remarque pour conclure. Jamais un embargo n'a réussi à renverser un régime. Jamais. Ça a toujours fait souffrir le peuple, toujours. Le plus effroyable des embargos, c'est l'embargo imposé à l'Irak après la guerre du Golfe, qui était un embargo sur tout.
Mais tout, c'est-à-dire y compris les médicaments, expliquant que les médicaments pouvaient être utilisés dans un programme bactériologique pour faire des armes, tu vois, bactériologiques. C'est-à-dire que des enfants mouraient de la rougeole. Le doliprane, bien traité, ça peut faire des armes. Ah ben, c'est terrible, c'est terrible. Et puis surtout, il y avait des enfants qui mouraient de la rougeole, c'est-à-dire même les vaccins n'arrivaient plus. Donc, ce qui est effroyable, c'est de penser, quand on est installé, nous, dans notre bonne conscience, de dire on va prendre des sanctions, ça va faire plier, c'est faux. Ça durcit le régime. Parce qu'évidemment, il y a toujours des réseaux d'alimentation en clandestine qui, eux, servent les élites. Mais par contre, la population trinque. Mais on n'a jamais obtenu un but politique avec un embargo. Ce qui n'empêche que ça reste dans le dispositif de tout pouvoir qui va décider, je mets un embargo là-dessus. Et voilà, on est dans cette situation en Iran. Simplement, l'Iran, ça fait 2000 ans de civilisation. Donc pour les arriver à faire... Vous jetez un Iranien au plafond, il reste accroché. Hein. Si vous voulez, les Américains se sont rendus compte qu'en fait, se cristallisait autour de Roménie une véritable opposition. Et donc si ils faisaient arrêter par le Shah, il y avait un risque d'explosion violente. Et donc ils l'ont aidé à... Enfin, ils l'ont laissé s'en aller par le Koweït. Et quand il a demandé effectivement l'asile politique en France... Je crois que les Américains étaient d'accord pour qu'on l'accueille en pensant qu'une fois qu'il sera en France, il serait moins dangereux. Bon. Donc il est allé à Auvers-sur-Oise, dans la ville de Van Gogh, mais il n'a pas été voir les tableaux de Van Gogh. Et donc s'est cristallisé autour de lui à Auvers-sur-Oise toute une élite d'Iraniens de l'étranger qui voyaient dans cette révolution populaire un véritable changement de régime. Et il a très habilement joué, si vous voulez, sur cette capacité d'écho que lui offrait... cette diaspora iranienne, et effectivement, avec tous les journalistes qui arrivaient de partout, etc., etc. Et finalement, les Américains et les Français, d'ailleurs, se sont rendus compte que ce n'était pas obligatoirement ce qu'il y avait de mieux. Je crois que Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, avait proposé de le faire taire complètement. Je ne sais pas, un accident de voiture, il serait noyé dans la Seine, j'en sais rien. Mais je crois qu'il se rendait compte que ça aurait été encore plus grave. Et donc, finalement, l'issue, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'on l'a autorisé à rentrer à Téhéran. Et en fait, il y a eu 2 millions de personnes à l'aéroport quand il est arrivé. Donc il y avait une espèce de dynamique contre laquelle il n'était plus possible, même par la répression violente, si vous voulez, d'empêcher le mécanisme. Donc ça a été un jeu de dupes, si vous voulez. Mais dans le domaine stratégique, on a fait beaucoup de... Il y a beaucoup d'erreurs, hein. c'est pas la seule. Il faut savoir qu'en 79, quand Khomeini y rentre, la SAVAK et la CIA ont fait assassiner les opposants, les étudiants opposants, les communistes, les étudiants communistes. Et là, il y avait un ressentiment en Iran absolument gigantesque contre le Shah et contre la CIA. C'était irrécupérable. La situation était absolument irrécupérable. Ça, l'assassinat des étudiants iraniens, ça a été vraiment une faute majeure, comme je ne sais plus qui disait, non, sire, c'est pire qu'un crime, c'est une erreur. Juste un épisode pour vous montrer les contradictions du droit international. Quand les étudiants révolutionnaires occupent l'ambassade, donc scandale, comment violation de la Convention de Genève protégeant les statuts diplomatiques, etc., etc. Les Américains se doutaient de quelque chose, ils avaient commencé à déchiqueter des documents secrets défense. Mais enfin, ils avaient le temps, il fallait quand même entrer un par un, ça a passé vite. Et donc les étudiants sont arrivés très vite, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait dans les poubelles, ils les ont donnés à des femmes qui tissaient du tapis pour les reconstituer. Et donc ils ont reconstitué un certain nombre de documents secrets défense montrant toutes les ingérences américaines dans la vie politique en Iran. Et ils ont publié ces documents. Donc vous êtes face à deux contradictions, c'est est-ce qu'il y a violation de la Convention de Genève ou est-ce qu'il y a violation de la souveraineté d'un État en montrant par là même les ingérences étrangères. Donc vous choisissez la ligne que vous voulez, mais vous avez un bon dossier dans les deux cas. Les héros là-dedans, s'il y en a, c'est les gens qui m'ont soutenu en dehors de... ici, en France, la famille, enfin... mon père, ma mère, ma femme, etc., enfin, ma sœur, tous ceux qui ont vécu ça, parce que lorsque vous êtes en prison, vous ne pouvez rien faire. Par contre, lorsque vous êtes dehors, vous pensez que vous pouvez aider, vous mettez votre vie entre parenthèses pendant 5 ans pour essayer d'aider. Et en fait, avec très peu de moyens. Et surtout avec aucun support, ni de l'entreprise, ni de l'État, etc. Maintenant, vous avez tout à fait raison le problème, c'est que nous sommes vassalisés. Faut appeler un chat un chat. Nous sommes vassalisés numériquement, juridiquement, industriellement, politiquement. Depuis le discours de Villepin en 2003, nous nous sommes alignés complètement sur la stratégie américaine et ils nous ont fait payer très très cher
Pierre, vous mentionniez que quand on ose s'opposer aux États-Unis, ensuite ils ont la mémoire longue et ils ont la mémoire très longue. Et ils nous font payer depuis 15 ans ce discours de 2020 à l'ONU. On l'a vu, hein, on n'a plus de stratégie, on n'a plus d'indépendance en matière d'affaires étrangères. On est toujours sur un alignement plus ou moins aveugle sur les États-Unis. Donc, il faut essayer de recouvrer notre souveraineté. Et souveraineté, ça veut dire liberté. Si on est souverain, on est libre. Et il faut recouvrer notre souveraineté industrielle, notre souveraineté juridique, notre souveraineté politique, notre souveraineté économique. Et pour ça, on a besoin de symboles, je pense. Et donc, on peut penser que c'est utopique de racheter à General Electric la partie qui me paraît, pour moi, la plus sensible, qui est quand même la fabrication et la maintenance de toutes nos centrales nucléaires, toutes les turbines pour toutes nos centrales nucléaires. Je vous rappelle que 75% de l'électricité en France est produite par les centrales nucléaires. Et donc, ceux qui maintiennent ces centrales nucléaires ont un poids extrêmement important sur le pays. Je vous rappelle que juste après le rachat, il y avait quand même General Electric a menacé EDF d'arrêter de fournir des pièces de change si on ne renégociait pas le contrat. Donc, ça veut dire, en gros, nous mettre dans le noir, quoi. Hein. Je vous rappelle, pendant la guerre du Golfe, ils nous ont aussi fait payer notre non-alignement en arrêtant de nous fournir les catapultes pour le Charles de Gaulle. Résultat, notre porte-avions était en rade. On ne pouvait pas utiliser les avions. D'accord. Donc, il y a besoin de redéfinir les sujets industriels sur lesquels on ne peut pas être dépendant, que ce soit des États-Unis ou d'autres. Hein. Alors, on parle beaucoup de masques. Moi, je ne pense vraiment pas que ce soit le sujet, de mettre un bout de tissu avec deux élastiques et de dire que c'est stratégique. Il suffit d'avoir des stocks. Par contre, je pense que la fabrication et la maintenance de nos centrales nucléaires, ça me paraît hautement plus important. Donc, General Electric est dans une situation de déconfiture, hein, qui date, si on essaye de retracer l'historique, ça date de 2008, hein, les subprimes, la crise des subprimes. La crise des subprimes, General Electric à l'époque, c'était une grosse banque, ça s'appelait G Capital, une grosse banque, une grosse compagnie d'assurance, qui 80% des revenus et des profits de General Electric venaient de cette branche-là, qui a été impliquée dans tous les scandales des subprimes. Le gouvernement américain, à l'époque, a injecté 139 milliards de dollars dans G Capital pour sauver G. Donc, si on avait laissé la main aveugle du marché, comme les bons néolibéraux veulent bien nous faire croire que l'économie marche, c'était pas General Electric qui rachetait Alstom, c'était Alstom qui rachetait General Electric. D'accord ? General Electric mourait et on rachetait ce qu'il y avait à racheter. Donc les États-Unis défendent leur industrie, défendent leur économie, n'hésitent pas à subventionner massivement leur économie pour créer des champions et pour les garder. Chose que nous ne faisons pas de manière extrêmement naïve en Europe. L'Europe, c'est le marché de tout le monde, sauf le nôtre. D'accord ? C'est le marché des Américains, c'est le marché des Chinois, sauf le nôtre. Donc, il faudra passer par des stratégies, à mon avis, extrêmement fortes. Faire un Buy European Act, comme les Américains ont fait leur Buy American Act, leur Small American Act, Small Business Act, etc. pour protéger les entreprises européennes et pour créer des champions européens. On parle du numérique, mais pas que du numérique, dans toute l'industrie. On ne pourra le faire, vu notre retard par rapport aux entreprises américaines et chinoises, qu'en mettant des conditions favorables pour créer ces futurs champions. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça, ben, on va continuer cette vacillation. Donc, moi, je pense que, un, c'est pas utopique de racheter, on va le faire. On va le faire, parce que il n'y a pas d'autre solution. Si on ne rachète pas ça, on a une possibilité historique de racheter la partie la plus stratégique que vous appliquez. Si on ne le fait pas, ça va être un nouveau scandale. Un nouveau scandale parce que ça sera revendu à des fonds de pension, à ce que vous voulez, et dans ce cas-là, ça sera encore bien. Donc moi, j'y crois. Je pense que les planètes s'alignent actuellement, pour tout un tas de raisons. Hein, le Covid est passé par là. Souveraineté industrielle, c'est plus un gros mot. Comme par hasard, on a fait un virage à 180 degrés là, ces trois derniers mois. Il n'y a plus un seul discours maintenant de ministres sans parler de souveraineté numérique, souveraineté industrielle, etc.
Donc tant mieux, maintenant, il faut passer des mots aux actes. Et on va tout faire pour, que ça, pour passer aux actes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas simple. Ok. On vous met un flingue sur la tête, on vous dit c'est 15 ans de prison, on vous vendez votre boîte. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. C'est ça. C'est un piège pour tout le monde, hein, ça. C'est un piège pour les individus, c'est un piège pour la direction générale, c'est un piège pour l'entreprise, c'est un piège pour l'État. Et tout le monde est aligné en face. Nous, c'est l'armée mexicaine, mais en face, ils sont tous alignés. D'accord. Tous les départements d'État, le département du commerce, le département de justice, les entreprises, etc. Et tout le monde tire dans le même sens. Voilà. Il y a de grandes leçons à tirer de ces cas-là, et je sais qu'on les tire, notamment dans nos services de renseignement. On a beaucoup progressé depuis 2014. Bon, un pour ça, j'espère que Trump va repasser. Parce que Trump, non mais si, c'est le meilleur président qu'on ait pour les Européens, pour être clair. C'est le seul qui nous réveille. Avant, on était tous endormis. Si nous mettons Biden, on va tous être endormis. On va dire, non, cette fois-ci, c'est les démocrates, c'est les gentils. D'accord ? Par rapport aux méchants républicains, ce sont les gentils. Donc, on va tous nous rendormir. Donc, j'espère bien qu'il va être de nouveau élu, parce que 4 ans, ça n'a pas été suffisant pour nous réveiller suffisamment. Non, mais c'est vrai. On n'est pas encore complètement réveillé. On est un peu réveillé, mais on est encore un peu groggy quand même. D'accord, donc j'espère bien que 8 ans, ça sera peut-être pas mal. Maintenant, vous avez raison, mais déjà, il a fait une chose extraordinaire, Trump. Qu'est-ce qu'il a décidé c'est le mois dernier? De bouger les troupes américaines d'Allemagne vers la Pologne. Bravo. Au moins, maintenant, les Allemands vont comprendre un petit peu et vont essayer d'être un peu plus travailler avec nous là-dessus. Parce que le problème, c'est que qui veut d'une Europe forte en Europe? À part la France, personne. Personne. Et plus vous allez vers l'Est, moins on en veut. D'accord? Lorsque la Pologne, actuellement, alors vous avez des raisons historiques, hein, on les comprend, hein, mais ils sont plus attentistes que n'importe quel autre pays. Ils achètent des F-35, ils achètent du LNG qui est beaucoup plus cher, plutôt avec que... Avec nos subventions européennes. Etc. Avec nos subventions européennes. Donc plus vous allez vers l'Est, plus ils sont atlantistes, moins ils veulent être sous le parapluie nucléaire français. En plus, vous avez ensuite des pays qui n'ont absolument rien à perdre. Quand vous êtes les pays baltes, etc., vous n'avez pas grand-chose à perdre, à part vous aligner avec les États-Unis. D'accord. Et donc, on n'arrivera pas à un consensus à 27 là-dessus. C'est juste pas possible. On n'arrivera pas à créer une Europe de la défense si on ne commence pas par quelques pays qui voudront bien faire. Et donc, j'espère que l'initiative qui a été commencée avec l'Allemagne va avancer, parce que c'est un vrai sujet. Et je pense que le deuxième gros sujet, c'est faut parler avec la Russie. On a quand même des intérêts stratégiques, géopolitiques, majeurs ensemble. On va être pris, de toute façon, entre les Chinois et les Américains. Donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les Russes et à créer un bloc européen avec les Russes, on va juste disparaître. En gros, c'est simple. Soit on accepte d'être vassalisé, soit on réagit. Quoi. Donc, on a réagi, on s'est fait renvoyer dans nos 22, là. Ça ne nous empêche pas de continuer à réagir. On a commencé Il y a quand même quelques succès. Suite à l'affaire Alstom, on a quand même changé notre loi anticorruption en France. D'accord. On a créé la loi Sapin 2, qui est une loi défensive. La loi Sapin 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de traiter les cas des entreprises françaises en France pour que les amendes soient payées en France. On a eu deux gros succès. Un, la Société Générale qui était accusée par les États-Unis d'avoir payé des pots de vin en Libye, on a réussi à récupérer 50% de l'amende. On l'a partagé, certes, on l'a partagé avec les Américains, mais le payer 500 millions aux États-Unis, on a eu 250 millions de chaque côté, donc il y a quand même eu 250 millions sur le trésor français. Et ensuite, il y a eu l'affaire Airbus, sur 3 milliards d'amendes, on a récupéré 2. Donc, 50-50, maintenant un tiers, deux tiers, il faut espérer que la prochaine fois, on va réussir à traiter les cas complètement en France. Donc on a des petits succès comme ça, c'est pas négligeable. Sur la taxe GAFA, tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation fiscale européenne, on va se battre contre des moulins à vent, hein, parce que ce soit la taxe GAFA ou l'amende sur Apple de 13 milliards, là, vous avez vu que au bout du compte, que la Cour européenne de justice a décidé d'annuler.
quand vous pensez que même l'Irlande ne voulait même pas être payée de 13 milliards pour défendre sa fiscalité, voilà, on va toujours avoir ce genre de soucis. Donc l'importance, là, c'est d'essayer d'harmoniser fiscalement l'Europe. C'est peut-être un peu pieux, mais en tous les cas, il faut commencer par là. Il faut commencer par bâtir le socle européen, et pour l'instant, on ne l'a pas bâti, ce socle européen. On a défini la taille des concombres, mais on n'a pas défini l'harmonisation fiscale. Donc il faut commencer par les vrais sujets, la défense, l'harmonisation fiscale, etc., avant de pouvoir répondre aux problèmes que nous posent les États-Unis. Mais pour ça, si on ne fait pas 27, ben on ne fait pas 27, on fera, je sais pas, 4, 5. Il y a un vrai besoin de repenser l'Europe telle qu'elle est, parce que pour l'instant, on est juste un marché, et tout le monde vient se servir chez nous, et on va, là, sur les 750 milliards, ça va être intéressant de voir comment, dans quelle poche ils vont tomber, ces 750 milliards. Écoute, la question, c'est plutôt, est-ce que l'opération Barkhane est une opération d'intérêt européen ? C'est avec un argument comme ça que tu peux convaincre les autres de venir. La France, moi une fois je m'étais amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. Parce que j'en ai lu des milliers si tu veux, puis à la fin je me suis dit tiens je vais en écrire un. Et donc ça commence selon le rituel, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas ne pas s'intéresser à cette région du monde dans laquelle elle prend compte tant d'amis et tant d'intérêts. Et il n'y a pas besoin de définir les intérêts ni les amis, etc. Mais c'est une légitimation du processus politique qui va aboutir la plupart du temps au fait qu'on va participer à une coalition militaire. Donc dans tout ça, si tu veux, tu as un mécanisme décisionnel qui fait que, comme on l'a connu avec Hollande, comme on l'a connu avec Sarkozy, etc., tu as toujours un moment, un président va dire « la France ne peut pas ne pas ». La double négation ayant l'avantage de ne pas avoir à justifier quoi que ce soit. Hein. Bon. Et donc tu te trouves avec l'opération Barkhane dans quelque chose qui est une espèce de continuum de la politique africaine de la France, c'est-à-dire que au Mali, il y avait une corruption étatique insondable, et donc tu avais un terreau salafiste extrêmement important. Le président de l'association des musulmans du Mali s'appelle Mohamed Diko, c'est un ancien de l'université islamique de Médine, Arabie Saoudite. L'université islamique de Médine a formé à peu près 30 000 prédicateurs, qui sont évidemment des étudiants étrangers qu'on a fait venir à Médine. À la différence de la mosquée Al-Aqsa du Caire, c'est que justement, en Arabie Saoudite, t'as du fric, t'es logé, et tu as le transport gratuit, mais uniquement entre la cité universitaire et le lieu des cours. Hein, bon. Et donc, ils ont attiré 30 000 mecs, avec une obligation, c'est surtout de ne pas rester en Arabie Saoudite, et donc de repartir faire de la prédication. Donc le personnage Mohamed Diko, qui est donc un des personnages importants de la situation politique au Mali, est un type qui a refusé de condamner l'attentat contre le Radisson Blue, tu sais, le grand rat-hôtel de Bamako, dans lequel il y avait plein d'étrangers, en expliquant que c'était la faute de la colonisation. Bon. Donc tu te retrouves dans une situation où tu fais une intervention militaire sans analyse politique. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire on dit, oh mais il faut arrêter absolument la progression des islamistes. Mais quelles sont les conditionnalités politiques et quel est l'objectif politique final ? Même scénario sur la Syrie et sur l'Irak. On était sûr qu'une fois Saddam Hussein renversé, ben, les Irakiens seraient fous de joie, ils seraient conciliés, les chiites vivraient avec les sunnites, les kurdes vivraient avec tous les autres, etc. Mais c'est extraordinaire, le processus s'est inversé aujourd'hui. On décide d'une intervention militaire sans analyse politique de la crise et sans se demander si l'outil militaire va servir à quelque chose pour résoudre cette crise. Là, on s'est retrouvé avec la Libye qui part en, en vrille. Mmh. Les arsenaux de Kadhafi sont pillés, oui. Pillés par des djihadistes qui descendent vers le Tchad. Ça a une longue histoire entre la Libye et le Tchad. Et on se dit, les gars, avec l'arsenal qu'ils possèdent, ils vont faire tomber le Tchad, le Niger, la Libye, et le Mali, et pourquoi pas le Burkina Faso dans la foulée. Je pense que c'est quand même une réaction en se disant, là, il y a vraiment un péril, parce que les gars, ils ont assez d'armes pour s'emparer militairement de tous les pays subsahariens, non ? Ben, il y avait une première décision qu'on aurait pu prendre, c'était de mettre BHL dans une prison de haute sécurité, pour l'empêcher de parler. Ça aurait été quand même une mesure de salubrité publique. Bon. Parce que là, il aurait eu le temps de réfléchir avant de parler. Donc, on est quand même dans une situation incroyable. Tu te souviens de l'argumentaire qu'utilise BHL pour convaincre Sarkozy d'envoyer des troupes, de faire une couverture aérienne, de faire adopter à l'ONU un projet d'interdiction aérienne parce que, paraît-il, il y avait un massacre en cours et donc une colonne de chars qui se dirigeait vers Tripoli pour tirer sur les manifestants. Bon.
Il utilise un argumentaire extraordinaire. Il dit, je les ai rencontrés, parce qu'il a du pognon, hein. C'est-à-dire qu'il a payé lui-même l'avion, il est allé lui-même voir les insurgés, etc. Je les ai rencontrés, je connais leur leader, c'est le nouveau Massoud. Massoud, je vous le rappelle, c'était donc le Tadjik qu'en Afghanistan, BHL avait assuré la communication, pour dire, voilà, le nouveau démocrate. Bah, évidemment, il est un ancien du lycée français de Kaboul, donc bah, il avait tout. Bon, que le mec ait tiré à l'arme lourde sur Kaboul, que, comme les autres, il violait les femmes, comme les autres, il tuait des mecs, il les égorgeait, etc. C'est pas grave, il était avalisé par BHL. Bon, et donc, il est présenté à l'Élysée, et le type... Il avait une belle gueule, en plus, il était bien. Donc, si vous voulez médiatiser une crise aujourd'hui, puisque vous n'avez plus d'ennemis... Le ché afghan. Oui, absolument. C'est-à-dire, si vous voulez médiatiser une crise, il vous faut un leader médiatique, c'est-à-dire un mec qui a une bonne gueule, et puis surtout reconnaissable. Donc lui, il avait le chapeau tadjik, donc ça va, on voyait qui c'était. C'est comme le kéfier pour Arafat. Il avait des troupes, on arrivait à dire, ceux-là, c'est les gentils, les autres, c'est les méchants. Et donc, il vous faut une cause facile à expliquer. Donc celui-là allait enfin vous rétablir la loi contre les talibans. Il y avait les horribles talibans qui, eux, par contre, avaient rétabli la sécurité, puisque les chefs de guerre se battaient entre eux. Bon. Donc vous avez une lecture politique. Si elle n'entre pas dans les canons de la médiatisation ici, vous n'avez peu de chance de vendre la crise. Bon. Donc, première mesure que je proposais... Enfin non, j'étais moins méchant que ça. Moi, j'ai dit, vous savez, les Américains, ils ont des super-héros, ils ont Stallone... Vous savez, ils ont Schwarzenegger, etc. Comme j'aime bien le cinéma, si vous voulez, je vous cite un exemple. Dans Rambo 2, Stallone retourne au Vietnam et il tue 76 personnes. Je les ai comptées. Bon. Donc les Américains ont des super-héros. Nous, on a des super-intellectuels. C'est-à-dire, on a un mec qui peut vous répondre à n'importe quelle question, à l'endroit, à l'envers. Il ne parle pas l'anglais, remarquez. Donc, il parle de tout. Et donc, j'avais proposé qu'en Afghanistan, on envoie BHL et Schwarzenegger, puisque BHL avait deux fois résolu la crise afghane dans ses chroniques du Point. Bon. Donc, on est dans ce monde de fous. On est dans ce monde de fous. Et donc, vous avez effectivement aujourd'hui une situation au Mali qui est une espèce de, comment dire, l'héritage de toute une politique africaine qu'on n'a jamais voulu attaquer à ses racines, c'est-à-dire lutter contre la corruption des élites africaines, etc., etc., à chaque fois expliquant que, oui, mais la France, tu comprends, là-bas, on fait de la coopération, on fait de l'aide, etc., etc. Et donc, quand tu vois s'installer dans le paysage un mec qui a été formé à l'université islamique de Médine, les services de renseignement, on va dire, attendez, celui-là, on n'en veut surtout pas comme chef de la communauté musulmane. Or, c'est le salafiste à l'intérieur du système. Bon. Bah, écoute, donc moi, je suis personnellement assez, dubitatif, si vous voulez, sur l'avenir de l'opération Barkhane, parce que, les troupes africaines qu'on essaye de former, de mobiliser, etc., seront-elles en mesure de lutter contre quelque chose qui ne leur apparaît pas automatiquement comme un ennemi ? Qui les paiera ? Pardon ? Qui les paiera ? Oui, ça, accessoirement, effectivement, on peut demander qui va les payer. Donc je ne suis pas sûr qu'ils considèrent... Ils aient la même logique que nous, si vous voulez, dans cette guerre contre ces salafistes. Et enfin, j'en termine sur l'affaire de la Libye. Donc on se retrouve dans une situation qui est tout à fait analogue à ce qu'on a fait en Irak et en Syrie, c'est-à-dire qu'on a bombardé avant de se demander politiquement ce qu'on allait faire. Donc c'est évident que de la guerre allait naître le nouvel ordre international. Enfin, bref, enfin, ayant appartenu à ce monde, je ne peux pas être autre chose qu'amer, si vous voulez, parce que, encore une fois, ces gens qui décident tout à coup de la violence, comment... Vous savez, je t'en termine là-dessus. En 1945, il y avait toute la vague des bombardements, vous vous souvenez, stratégiques sur l'Allemagne, avec Berlin bombardé tous les jours, toutes les nuits, etc., ouais, etc., et l'armée allemande qui résistait jusqu'au bout. Bon. Les Américains ont fait des études, à la fois pour essayer de comprendre pourquoi l'armée américaine avait tenu jusqu'au bout, est-ce qu'elle était nazie jusqu'au trognon, et pourquoi la population ne s'était pas révoltée. La première des études a démontré que l'unité de base de l'armée, c'est la section, c'est-à-dire c'est le corps des sous-officiers qui tient une armée en truc. Donc les mecs se battent tant que leur sous-officier est là. C'est pas l'idéologie, c'est la solidarité, si vous voulez, de gens qui se battent. Et sur les bombardements... Ils arrivent à la conclusion que quand vous êtes bombardé, vous n'êtes pas solidaire du mec qui est dans l'avion, qui est à 10 000 mètres au-dessus de chez vous et qui vous lance des bombes. Vous êtes solidaire avec les mecs qui vous défendent. C'est idiot. C'est idiot d'en arriver à faire une étude pour aboutir à cette conclusion. Donc les bombardements massifs sur l'Irak ne pouvaient pas solidariser les Irakiens avec les Américains. Bah, écoutez, je vais toujours être idiot. C'est la seule explication logique. Ça commence à changer, je trouve. Je trouve que ça commence à changer... Je pense que de plus en plus de journalistes écrivent des choses qui vont un peu dans le sens de ce qu'on raconte ce soir. Maintenant, il y a quand même 80 ans dire d'atlantisme béat de nos élites.
à part la période de Gaulle, etc. Et si on regarde depuis Giscard, on est quand même... La dernière fois qu'on soit vraiment opposé aux Américains, c'est quand Pasqua a mis 20 espions américains dans l'avion en leur disant bye bye, ne revenez pas. Je crois que c'est la dernière fois. Chirac et le discours de Deville, enfin, voilà, c'est tout. Donc on a des petits pics comme ça de lucidité. Maintenant, je pense que je suis positif, donc je pense que je suis optimiste, je pense que ça change. Je pense que ça change et je pense que le discours actuel où le pouvoir change lui-même son discours, on reparle encore une fois de souveraineté industrielle, souveraineté numérique, etc., etc., va faire que tout le monde va aller dans le sens du vent. Et on commence à le voir, de plus en plus. Regardez, ce genre de conférences, il y en a 3-4 par semaine maintenant, depuis au moins un an et demi sur l'extraterritorialité libre-américaine. Moi, j'interviens souvent maintenant dans des écoles, à peu près toutes les écoles maintenant mettent ça à leur programme. L'important, c'est que les jeunes bougent. Je suis intervenu dans une quinzaine de grandes écoles en France ces derniers 12 mois. Il y a un vrai sujet qui passionne les jeunes. Et en fait, c'est les gens de votre âge qui vont faire aussi bouger les choses. Moi, je suis assez optimiste lorsque Pierre, vous disiez que vos interviews sur Thinkerview dépassaient 800 000 vues, etc. Il y a quand même des gens qui regardent ce genre de choses, qui commentent, etc. Donc, les médias, vont bouger sur ce sujet. Alors, moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on a tous une responsabilité d'aller chercher une information, de la comparer, de la recouper. Moi, j'ai commis un tout petit bouquin qui s'appelle « Fake News » et où j'encourage les gens à aller chercher de l'information sur Twitter, notamment, et bien sûr comparer les différentes versions et bien comprendre les prismes de ceux qui rédigent. Alors, ayant 244 caractères, il n'y a que Trump qui arrive vraiment à synthétiser sa pensée, parce que je pense qu'elle est suffisamment courte pour tenir dans ce format. Mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en dessous de la tagline, vous avez souvent des petits documents qui sont joints au tweet, et il y en a qui sont très très intéressants. Je pense que Twitter, c'est encore le seul endroit où on trouve des gens qui défendent encore Assange et Snowden. Maintenant, nos médias mainstream, il y a quand même beaucoup de gens qui sortent de Sciences Po. J'ai fait conférence à Sciences Po avec mes amis iconoclastes, la moitié des jeunes qui étaient en face de nous disant « je veux devenir journaliste ». Voilà, donc il y a quand même une espèce de formatage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes... d'information continue, ils sont effectivement pas là pour dire du mal du pouvoir, parce que soit ils en dépendent par subvention directe, soit ils en dépendent pour des raisons fiscales. Donc je dirais que l'information non biaisée par l'intérêt, il faut vraiment aller la chercher ailleurs. Il y a eu un sondage qui a été fait en 4 temps différents, une fois en 1945, une fois en 1962, une fois en 2000, quelque chose, et puis encore récemment. Bon. Donc si vous voulez, à 4, chaque fois, c'était la même question, c'est-à-dire selon vous, quel est le pays qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie? Donc 1945, c'était 60% la Russie, et puis 20% les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et puis au fur et à mesure du temps, si vous voulez, vous avez les rapports de force qui s'inversent. C'est-à-dire que dans le dernier sondage, dont j'ai oublié la date, c'est les Américains à 60%. Qu'est-ce que vous avez derrière tout ça? Vous avez un basculement d'opinion. Ce basculement d'opinion est travaillé par un soft power, c'est-à-dire par ce que je vous ai dit à propos du cinéma, ce que vous avez dit à propos de l'image de la... des États-Unis, que les États-Unis vendent d'eux-mêmes. Vous avez encore aujourd'hui un mouvement qui s'appelle Black Lives Matter, parce qu'il y a un racisme institutionnel aux États-Unis, puisque c'est un État fédéral. Il faut penser qu'un siècle après la fin de la guerre de sécession, vous aviez encore des lois dans un certain nombre d'États du Sud dans lesquelles vous aviez des lois racistes.
on les appelait pas comme tels, mais entre le produit États-Unis vendu en Europe, où vous aviez effectivement l'impression que parce qu'il y avait Sidney Poitier à Hollywood, tous les Noirs avaient un accès au cinéma. C'est faux. C'est faux. Mais encore une fois, cette capacité à vendre une image est quelque chose dans lequel il faut apprendre, si vous voulez, à décrypter. Donc le renversement se fait probablement en partie maintenant. Et puis, beaucoup de gens, si vous voulez, sont allés aux États-Unis, donc ils voient évidemment quelque chose de différent. L'élection de Trump montre que c'est un pays sur lequel nous ne travaillons pas sérieusement. Tout le monde est allé à New York, tout le monde est allé en Californie, donc tout le monde connaît les États-Unis. Or, ce n'est pas ceux-là qui ont élu Trump, c'est la Bible Belt, c'est le Middle West, c'est-à-dire des gens qui sont fondamentalement enracinés dans une identité américaine où le reste du monde est un monde de bordel, avec des sauvages, avec des gens qui vous menacent, qui vous envient, etc., etc. Donc, on est dans un système qui est très auto-centré sur lui-même et on s'étonne tout à coup que ce soit un personnage comme Trump qui soit élu. Mais Trump est très représentatif. Moi, j'ai été invité une fois par une fondation américaine dans cette campagne de soft power, justement, qui se développe beaucoup pour expliquer que les élites stratégiques, militaires, etc., diplomatiques, soient séduites par les États-Unis. Donc on avait des rendez-vous au département d'État, au Pentagone, etc., etc. Et c'était juste après l'invasion de l'Irak. Et donc ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que vous avez tiré de votre visite aux États-Unis? Quelles conclusions, quels conseils principaux vous avez à donner? J'ai dit, écoutez, la prochaine fois que vous avez un candidat aux élections présidentielles, vérifiez qu'il a un passeport usagé avec au moins 2 visas tamponnés. Les types, ils étaient fascinés que je leur dise ça. J'ai dit, écoutez, Trump, il est allé au Mexique quand il était étudiant. Et c'est le mec qui va gérer le monde. Et Trump, je ne sais même pas s'il est allé ailleurs que dans des grands hôtels internationaux, si vous voulez, pour décider de l'avenir du monde. Donc vous avez une société, si vous voulez, qu'on ne connaît pas, et c'est une société qui, de toute façon, s'en fout qu'on la connaisse ou pas. Sur l'Europe, mais l'Europe, c'est extraordinaire. C'est la seule région du monde dont vous avez eu un phénomène de déconstruction de l'ennemi. La réconciliation franco-allemande est un modèle que beaucoup de pays tentent de copier partout dans le monde et qui ne réussit pas. C'est-à-dire que on a construit l'Europe parce qu'il y a eu De Gaulle et Adenauer. Des mecs qui ont dit, on arrête le match, on en est à 3e match. Bon, on en a perdu 2, on en a gagné 1, mais ça n'empêche, il faut s'arrêter. Et donc, on a construit l'Europe sur l'idée de la paix. Donc, c'est difficile de construire une Europe de la défense si on la construit sur l'idée de la paix, de la coexistence, de la collaboration, etc. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, cette mutation. Et puis, la dernière chose, évidemment, c'est que c'était au départ un marché commun. Et un marché commun, c'est difficile d'expliquer qu'il faut en faire une entité politique, parce qu'il n'y a pas la base commune de cette entité politique, surtout avec l'extension à l'Est. Les anciens pays satellites n'ont qu'une seule envie, c'est surtout qu'on ne fasse pas partir les Américains. Donc, rappelez que quand Chirac fait son discours contre l'invasion en Irak, la moitié de l'Europe, des pays d'Europe, est allée en Irak avec les Américains, y compris les Polonais, les Slovènes. Vous voyez, les pauvres types, les rapports qu'ils avaient avec l'Irak. Donc on est aujourd'hui, si vous voulez, dans une espèce d'ambiguïté, mais qui politiquement est très difficile à lever, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire une Europe politique demain et sur quelle base? Donc je suis à la fois désolé et optimiste, mais en même temps, il faut surtout sauver, si vous voulez, cette entité européenne qui s'est déchirée 2 fois et qui finalement a été rétrogradée en seconde division à cause de ces guerres. Moi, je pense qu'on ne peut pas construire de défense sans construire d'attaque, de toute façon. Ceux qui s'en sortent le mieux, enfin, je pense que ceux qui vont le mieux s'en sortir, ce sont les Chinois. Parce que je pense que les États-Unis ont bien compris qu'ils allaient perdre cette guerre. Le problème, c'est combien de temps ça va prendre avant qu'ils ne la perdent, et dans quelles conditions ils vont la perdre. Mais si vous êtes en Chine, moi, j'ai eu la chance de vivre 7 ans là-bas. Dans n'importe quel esprit de Chinois, on n'a pas beaucoup parlé de la Chine, hein. L'esprit de Chinois, 5000 ans d'histoire, ils ont été au sommet pendant 4900 ans. Il y a eu juste un blip de l'histoire au XXe siècle où ils ont été sous le joug européen. Ça les a profondément marqués, la guerre de l'opium et toute cette partie-là. Et donc pour eux, il n'y a aucun doute que les 5-6 000 prochaines années, ça va être eux en numéro 1. Et ils mettent les moyens colossaux pour y arriver. Donc là, je pense qu'on est au point de jonction entre la domination américaine et la domination chinoise. Maintenant, la Chine, c'est pas les États-Unis. Pour tout un tas de raisons, d'un côté on a des guerriers, de l'autre côté on a des commerçants.
sur depuis que la Chine existe, elle n'a pas envahi le pays. D'accord, elle n'a pas fait de guerre. On va se retrouver dans un monde, je pense, dominé par les Chinois. Et ça va être intéressant de voir, surtout militairement, comment les États-Unis vont perdre cette guerre. Et c'est là où il y a de gros risques d'embrasement. On se retrouve dans une nouvelle guerre froide, mais qui risque d'être chaude. Parce que pour la première fois, en pratiquement un siècle et demi, les États-Unis vont passer au deuxième rang. Je crois que c'est là où il risque d'y avoir beaucoup de perdants. La Chine n'a jamais envahi personne. Ils se sont fait beaucoup envahir, et notamment par les Turkmènes, puisque justement le pays ouïghour n'est pas devenu musulman par un accident de l'histoire. C'était très vert, hein, le Xinjiang, à l'époque où les musulmans sont venus conquérir toutes les villes de Yarkand jusqu'à Urumqi, hein, d'ouest en est. C'était très très vert. Et le climat a beaucoup changé à partir du 13-14e siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand les musulmans sont arrivés? Les Chinois ne pouvaient pas défendre un territoire qui était grand comme trois fois la France. Alors pas complètement désertique. Hein. Aujourd'hui on voit que c'est un désert, on se dit comment on pourrait vivre là-dedans. Mais les Chinois finalement, ils ont sondé l'envahisseur. Et ils l'ont vite convaincu que c'était beaucoup plus agréable de faire des affaires, de protéger la route de la soie. Elle ne s'est jamais interrompue, cette route de la soie. C'est-à-dire que les commerçants chinois ont pu continuer de partir de Xi'an et de passer par le Pakistan ou d'arriver par l'Iran. Les musulmans qui tenaient toute cette région ont parfaitement protéger les caravanes, la route de la soie, elle a continué. Ensuite, elle a dépéri parce que la route de la soie est devenue une route maritime, essentiellement à partir du 14-15e. Mais les envahisseurs, ils se sont sinisés le plus souvent. Et quand la Chine se propose de développer des relations commerciales, bah, généralement, ils arrivent à obtenir davantage d'acquiescement. Que de dire on va vous massacrer, parce que d'abord on a 40 000 cavaliers, vous en avez 5 000, donc vous êtes déjà écrasés d'avance. Les Chinois ont très très bien fait ça pendant effectivement plus de 3 000 ans, même avec les Romains. Hein. Donc aujourd'hui, ce qu'ils proposent aux pays africains, ce qu'ils proposent même maintenant jusqu'à l'Amérique du Sud, finalement, ça remporte plutôt l'adhésion, plutôt que de dire on va implanter 2-3 bases militaires chez vous, et puis si vous ne commercez pas à notre façon, on fait tonner le canon, quoi. Voilà. Donc c'était mon petit témoignage sur la Chine, qui a davantage prospéré par l'appât du gain que par le bruit de la poudre, que les Chinois ont pourtant inventé. Et puis en ce qui concerne la taxe et la meilleure défense, je suis quand même toujours étonné de cette fascination de Donald Trump pour Kim Jong-un, pour lequel il ne tarit pas d'éloges. Le gars fait toutes les provocations possibles, ne tient pas sa parole, c'est n'importe quoi. Et Trump l'adore. Et Erdogan, c'est quand même, il faut le savoir, c'est quand même le gars avec lequel Trump a eu le plus d'échanges téléphoniques durant sa mandature. Ça devrait quand même nous faire réfléchir. Enfin, je sais pas. Écoutez, en quels termes Trump décrit Erdogan, c'est un gars sensationnel, un gars qui a des projets, un gars qui s'en laisse pas compter, alors que bon, je sais pas jusqu'à quel point il joue le double jeu avec les Russes, etc. Enfin, voilà, je sais pas, peut-être que pour plaire à Trump, il faut vraiment être le bad boy, le what the fuck boy, je ne sais pas. J'ai pas cet avis, Pierre. Immaîtrisable aujourd'hui, c'est quand même le fait qu'il y a un président américain qui peut être réélu demain, et qui effectivement, ce serait la politique du pire. Alors, sur le...
pour l'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est coincé, tel que ça a été décrit, entre plusieurs acteurs qui ont tous des ambitions impériales. Hein. Il n'y a pas de, les Américains comme les Chinois, comme les Russes, etc. Et donc que l'Europe puisse se penser comme entité diplomatique pour équilibrer ses rapports avec la Russie, qui est au moins un aussi gros producteur de pétrole que l'Arabie Saoudite. Donc je veux dire, pourquoi va-t-on diaboliser la Russie plutôt que diaboliser l'Arabie Saoudite ? C'est quand même pas eux, c'est quand même pas les Russes qui ont fait 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris. C'est les salafistes, salafisme propagé par l'Arabie Saoudite. Bon, mais enfin, n'allez pas demander à un stratège de mettre de la cohérence dans son rapport, ou en tout cas à un politique de mettre de la cohérence dans son rapport. Donc, il y a une véritable diplomatie à construire avec la Russie, c'est ce qu'a fait commencer le président Macron, mais c'est pareil, il faut le faire avec la Chine aussi, avec toutes les mises en garde qu'on a évoquées là tout à l'heure. Les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. C'est aussi un pays qui est très autocentré, moi j'y ai passé un an aussi, c'est un pays qui est très autocentré, qui s'est senti très humilié par la politique des concessions, les invasions européennes, etc. Et donc l'époque où, si vous voulez, il était écrit dans les trains « interdit aux Chiens et aux Chinois ». Et donc il y avait une politique qui a été très humiliante pour eux et dans laquelle ils ont senti, après 49, beaucoup plus qu'avec Chiang Kai-shek, une espèce de rétablissement, si vous voulez. Et puis évidemment, aujourd'hui, avec Xi Jinping, le respect qu'on doit à une puissance. Donc l'Europe doit se penser, pas simplement comme une dépendance, mais se penser comme une entité politique. Bon, sur l'idée de l'attaque pour préserver la défense, rappelez-vous que ça a donné naissance à un concept stratégique américain qui s'appelle la guerre préventive, et que la guerre préventive, c'est ce qui a été fait en Irak. J'aime mieux les guerres postérieures, si vous voulez, ou même éviter les guerres. Mais en tout cas, la guerre préventive, ça a été une véritable catastrophe. Système conçu avec beaucoup d'intelligence, hein, avec des mecs diplômés des plus grandes universités. Tout ça pour expliquer que les Américains doivent avoir un système de défense qui leur évite les crises majeures. Donc le meilleur moyen d'éviter les crises majeures, c'est d'anticiper en faisant la guerre dans une crise mineure. Voilà. On revient toujours à la même question, c'est-à-dire... L'Europe peut-elle se penser dans une entité autre qu'une dépendance américaine ? Voilà, c'est la mutation qui avait été commencée par De Gaulle, qui a été poursuivie par Chirac. Mais si vous voulez, cette tendance qu'on appelle aujourd'hui gaulo-mitterrandienne dans la diplomatie française, elle est dans un sens de rétraction. Aujourd'hui, dans le Quai d'Orsay, vous avez des néoconservateurs à tous les étages. Les néoconservateurs, ils ont une caractéristique, ils sont comme les trotskistes. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une logique de clan. Donc on met ses amis dans des postes, par exemple le CAP, par exemple la délégation des affaires stratégiques, ont été dirigés par des néoconservateurs. Exemple vécu, si vous voulez, moi j'avais recruté, quand j'étais à la délégation des affaires stratégiques, Bernard Rourkad, qui est un des meilleurs spécialistes de l'Iran, et donc il écrivait ses papiers, on les diffusait, etc. Bon. Et puis ensuite, le directeur a changé, il a été remplacé par un néoconservateur, et donc Bernard Rourkad écrivait toujours des papiers, mais il ne sortait plus, parce qu'il écrivait des choses sur l'Iran qui n'étaient pas dans la ligne officielle. Et puis un beau jour, il est appelé par Petraeus, général, qui dit « J'aimerais bien vous rencontrer. J'ai lu vos papiers. » Donc je ne sais pas s'il y avait des espions américains dans le dispositif français, mais enfin, il avait lu les papiers de Bernard Rourkad. Et donc Bernard Rourkad va voir son patron, le directeur, un diplomate, s'appelait Miraillé, en disant « Écoutez, je suis invité par Petraeus, qui venait voir aux États-Unis, est-ce que vous voulez bien me payer le voyage ?» L'autre lui dit « Non, ce n'est pas à vous d'y aller. » Ah, bon. Donc Bernard Rourkad a payé son propre voyage pour aller voir Petraeus. Et puis ensuite, il est venu raconter ce que lui avait raconté Petraeus. Mais enfin, un peu de temps après, on lui a signifié que son contrat expirait. Donc vous avez une logique de trotskisme. Alors le principe, c'est on élimine ceux qui ne pensent pas pour. Vous avez une autre technique, c'est la technique des trotskistes, pour ceux qui ont été étudiants comme moi. C'est quand un trotskiste qui prend la parole, vous ne savez jamais quand il a fini. Et donc le principe, c'est d'empêcher les autres de parler. Par exemple, revenons sur l'Iran. Il y a eu trois bouquins qui sont sortis à peu près simultanément au moment de la négociation sur le 5+1. Un livre de Bruno Tertrais qui s'appelait, je ne sais pas, La prochaine guerre, avec l'Iran évidemment. Un livre de François Hesbourg, dont je ne sais plus comment il s'appelait. Puis un livre de Thérèse Delpech, qui elle était la plus folle de toutes et qui expliquait qu'il fallait absolument... les Iraniens avaient déjà la bombe. Bon. Aucun de ces individus n'avait jamais mis les pieds en Iran. Mais ils avaient déjà construit la logique de la prochaine guerre avec l'Iran. Prodigieux. Alors après, il y a eu BHL qui lui a expliqué que le terme d'Iran avait été inventé par les nazis. Donc vous avez une mécanique de fabrication de l'ennemi qui est très puissante à l'intérieur du système diplomatique français. Et malheureusement, je vois mal comment on va avoir, si vous voulez, cette distanciation philosophique et diplomatique pour laquelle on plaide. Voilà. Mais je ne veux pas vous décourager. Toute petite parenthèse... La souveraineté, ça rime souvent avec l'indépendance financière. Quand vous êtes endetté,
que vous devez, vous êtes dans une situation de sujétion. Voilà. Donc on a de la chance aujourd'hui, la France emprunte à moins 0,14 sur 10 ans, à moins 0,45 ou moins 0,50 sur des maturités inférieures à 5 ans, donc ça se passe bien. Mais la France va quand même atteindre 120% de taux d'endettement. On dirait que c'est moitié moins que les États-Unis. Hein. Alors, officiellement, les États-Unis ils sont à 100, mais en vérité, ils sont à plus du double. Et il y a un pays qui est vraiment souverain, c'est quand même la Fédération de Russie, puisqu'eux, ils ont pratiquement zéro dette. Je pense que ça doit représenter 3 ou 4% du PIB. Et ils continuent d'accumuler de l'or, pendant que de l'autre côté, la Fed imprime du dollar. Extrait de l'air ambiant, voilà. Donc c'est une monnaie très solide, hein, vous voyez. Et vous la vaporisez ensuite, ça fait monter Wall Street, c'est très très bien quand même. Donc aujourd'hui, avoir une complète souveraineté, ça passe aussi par ne pas devoir aux autres. Et la Russie qui a accumulé beaucoup d'or, je ne sais pas où en sont ses réserves d'argent. Enfin, aujourd'hui, il s'est passé quand même quelque chose. L'argent métal vient de passer une résistance historique majeure qui est 21 dollars. L'or a débordé les 1780 dollars, qui constituent également une résistance majeure. Je dois dire qu'aujourd'hui, il y a deux pays qui détiennent vraiment des métaux précieux, c'est la Chine et c'est la Fédération de Russie. Je veux dire qu'à partir de ce mardi 21 juillet, il y en a qui se sentent bien, et ceux qui détiennent de la fiat monnaie, je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à acheter de l'argent, ce qu'on appelle la smart money, voilà. L'argent et l'or ne sont la dette de personne. Voilà. Alors que quand vous achetez un billet, enfin quand vous possédez un billet de 1 dollar, ou un euro, une pièce d'un euro, ou un billet de 20 euros, vous détenez un 10 milliardième de la dette européenne, ou un 100 milliardième de la dette américaine. Et aujourd'hui, moi, je préfère détenir de l'argent et de l'or. Voilà. Et il y a quelques pays qui ont l'air de penser comme ça. Voilà. Ils n'avaient pas l'air d'être dans l'air du temps il y a encore un an. Aujourd'hui, je crois que ça change un peu. On a malheureusement, si vous voulez, aucun retour critique aux États-Unis. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que après 91, les Américains se sont demandé comment il fallait maintenir la suprématie américaine sur le 21e siècle. Hein, il y a un rapport qui s'appelle New American Century, qui a été conçu dans les années 92-93, quelque chose comme ça, par des néoconservateurs. Donc, quels sont tous les moyens de préserver la suprématie américaine sur le monde? Bon. Donc il y a aux États-Unis une tendance extrêmement forte qui pense, et rappelez-vous que Trump se fait élire avec la thématique « America first ». Dans aucun autre pays du monde, si c'était en Russie, Poutine se faisant élire avec en disant « la Russie d'abord », on se dirait « enfin c'est quand même extraordinaire, et les autres alors ?» Non, là ça passe, parce qu'il y a une espèce de spécificité de l'identité américaine qui fait que moi je me souviens très bien que j'étais aux États-Unis, je prends un taxi avec un hispanique. Donc je lui parle en espagnol, le mec me répond en anglais. C'est-à-dire, je lui parle en espagnol, il me répondait en anglais. C'est-à-dire qu'il voulait montrer qu'il était intégré dans ce système, qu'il l'avait accueilli, etc., etc. Et ce mécanisme, si vous voulez, d'intégration, il est extrêmement puissant, et il fait cette identité américaine qui a quand même cette caractéristique de faire que on va se sentir américain, et le reste du monde va être senti comme une espèce de risque, de menace, de perturbateur, voire d'ennemi. Et avec l'aide d'un système de conviction, un soft power, si vous voulez, dans lequel vous avez... Vous savez, il y a un truc très intéressant aux États-Unis. Moi, j'y suis beaucoup allé ces dernières années parce que ma fille était journaliste là-bas. Bon. Et je regardais la télévision américaine, qui est véritablement une merde sans nom. Hein. Je veux dire, les trucs qui se succèdent, c'est effrayant. Bon. Et je voyais des films historiques. Alors, je descends dans une librairie, je dis, je voudrais voir vos manuels d'histoire. Le mec me dit, mais il n'y a pas de manuel d'histoire. Il dit, comment il n'y a pas de manuel d'histoire? Il me dit, non, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. Je dis, mais attendez, je ne comprends pas. Il me dit, non, c'est ça relève de la compétence des États. Alors, je dis, mais attendez, la guerre de sécession racontée en Caroline du Nord, en Californie, ça ne doit pas être pareil. Il me dit, oui, mais c'est de la compétence des États. Bon.
Je me suis dit, mais alors qui fait l'identité nationale américaine? Et je me suis rendu compte en regardant la télévision que c'était Hollywood qui faisait la culture nationale américaine. C'est-à-dire, c'est Hollywood qui fait l'identité nationale. 2700 westerns pour justifier un génocide des Indiens, c'est quand même le seul pays du monde qui a produit qui a fait une production artistique sur un génocide. Bon, réexaminez-vous la question comme ça, et vous vous dites, même si on assassine un deuxième Soleimani demain, je ne suis pas sûr que ça fera bouger les États-Unis. Alors, l'assassinat de Soleimani, il faut le recontextualiser. Donc, il vient d'y avoir des attaques un peu mystérieuses contre des bateaux. Alors, je ne sais pas si c'est des drones sous-marins, bref. Grande vulnérabilité, en tout cas, de la flotte saoudienne. Puis ensuite, il y a une pluie de missiles qui s'abattent sur les champs pétrolifères et les raffineries d'Aramco, avec une précision qui surprend tout le monde. Et puis, je ne sais plus, c'était 15 jours ou 3 semaines plus tard, donc un tir de drone et boum, Soleimani pulvérisé. Alors, heureusement, quelques journalistes font leur travail, et puis ils découvrent que Soleimani, il a quand même pas mal collaboré avec la CIA dans la lutte contre l'État islamique, Ansar al-Sham, etc., en Syrie, et que c'était vraiment un allié objectif des Américains, même s'il jouait bien son rôle de leader des gardiens de la Révolution, en embêtant quand même les Américains, mais enfin, globalement, je pense qu'il leur a rendu davantage de services qu'il ne leur a causé de problèmes. Et Hassan Rouhani continuait de négocier avec les Américains, malgré toutes les sanctions dont on a parlé, hein, donc plus d'accès au dollar, plus de possibilités d'exporter le pétrole, et Hassan Rouhani continue malgré tout de négocier, ce qui ne fait pas l'unanimité en Iran, hein, bien sûr, il y a des durs dans le régime qui disent, mais... pourquoi vous continuez avec les Américains qui ne respectent pas leurs paroles? Ils ont signé effectivement l'accord 5+1 et puis ils s'en retirent. Ça ne sert à rien. Donc la position d'Hassan Rouhani était quand même affaiblie par le fait qu'il n'obtenait finalement rien à négocier avec les Américains. Mais les Américains, eux, ils ont, je pense, une autre logique, c'est de se dire le régime doit tomber. Donc peut-être que pour faire tomber le régime, il faut mettre Hassan Rouhani dans une situation totalement impossible. Donc on bazarde effectivement Soleimani, qui se transforme immédiatement en martyr, etc. Les Iraniens adorent ça, en tout cas le régime iranien adore ça. Donc on leur fournit un nouveau martyr, et on démontre que la volonté de dialogue de Rouhani ne sert strictement à rien, mais qu'en plus de ça, on assassine même des gens portant un uniforme, parce que là, Soleimani, on n'a pas été dégommé un chef de guerre, un chef djihadiste qui navigue entre Ankara et les frontières de l'Irak. Là, c'est vraiment le plus haut gradé, quelqu'un qui porte un uniforme. On a vraiment assassiné l'équivalent un peu du ministre de la Défense, en quelque sorte. Il y a deux ministres de la Défense en Iran, si vous voulez. Enfin, Soleimani, c'est l'élite, c'est les gardiens de la Révolution. Donc celui-là, on l'élimine. Donc peut-être que les Américains ont pensé faire d'une pierre deux coups, éliminer un symbole, parce qu'on pouvait présenter ou diaboliser Soleimani comme un ennemi juré des États-Unis. Et il y avait effectivement des déclarations qui permettaient de s'appuyer en disant, regardez ce qu'a déclaré Soleimani, qu'il allait créer l'enfer pour les Américains, etc. Tout ça, c'est bien sûr, il parle avec sa bouche. Donc les Américains se disaient, on fait d'une pierre deux coups, on élimine un gars qui a des capacités de nous embêter sur le plan militaire, si jamais on avait un projet d'invasion de l'Iran. Et en plus de ça, la ligne Rouhani devient totalement caduque, obsolète, etc. Voilà. Bon. Et en plus de ça, n'oublions pas qu'il a été assassiné sur le territoire irakien, et Soleimani avait été invité par le président irakien, et il pensait, Soleimani, venir justement pour peut-être mener des négociations de paix avec les États-Unis. Donc ça a également mis le président irakien en porte-à-faux, et il en a également beaucoup voulu
aux Américains, et suite à la suite de quoi d'ailleurs les rapports entre l'Irak et les États-Unis se sont fortement dégradés.